Salut à toutes et tous, bienvenue dans le talk sur Web Girondin. On est ensemble pour parler des marinés blancs de 19h30 jusqu'à 21h. Salut à tous les socios de cette web télé. On est là, la grosse équipe ce soir, autour du micro avec... on va commencer par lui pour une fois, Monsieur Capitaine Conan qui est là pour gérer le chat. Salut Conan, ça va ? Salut, salut, ça va, ça va. Un peu, on dira, un peu toujours sous l'émotion de cette victoire incroyable que nous avons eue. Ouais, t'as la gorge serrée, hein, on sent la gorge sèche. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Je suis toujours un peu pris. Prends un verre d'eau. Tu t'es pas assez hydraté. Hein. Monsieur Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel, comment ça va ? Salut Nico, salut à tous. J'étais tellement surpris par l'émotion de Conan que j'en ai jeté mon téléphone, j'ai tout fait tomber chez moi. C'est vraiment un lundi pas comme les autres. Oh ouais, vas-y, ramasse-le. Tu as c'est bon. Des messages importants. J'ai vérifié. Mais surtout qu'il n'y ait pas de dégâts parce que ça, c'est cher les téléphones de nos jours. Plus cher que les clubs de foot. Je sais pas, ouais. Monsieur Jonathan D'Agostino, salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. Et c'est la grande forme aujourd'hui, j'avoue. Ouh, attention, il y a une victoire, ça fait trois mois qu'on n'a pas connu ça. C'est ça, c'est qu'on va débriefer une victoire, ça fait pratiquement deux mois qu'on attend ça, donc déjà ça c'est génial. Et juste aussi, c'est l'anniversaire d'un joueur que j'adore, enfin que j'adorais maintenant parce qu'il joue plus, Monsieur Fernando Meneghazzo. J'ai vu que c'est son anniversaire aujourd'hui et j'adorais ce joueur. Superbe joueur. Ouais. Il fait un patron au milieu, techniquement, dans la mentalité, physiquement. J'adorais ce joueur. C'est le genre de joueur qui nous manque au milieu, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai. Et vous le voyez, il est là. Il a survécu à cet après-midi au stade avec tous les supporters. C'est monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut Nico, salut à tous. Bon, comment ça va là ? Montre ton beau maillot. Ouais, alors c'est grâce à Emmanuel, mon cousin, qui l'a récupéré hier. Et grâce à notre ami Benoît Costil qui lui a donné donc des retrouvailles entre les joueurs et les supporters. Donc c'est le maillot de Benoît Costil hier face à Rennes. Voilà, écoute. Le maillot qu'il a donné, le capitaine. Donc ouais, il va le garder, on va dire, comme une pièce fétiche vu que le match est quand même assez particulier. Bon, je t'avoue que c'est pas, vous savez que c'est pas les maillots que j'adore hein, par rapport au logo et tout. Donc je lui laisse, mais je trouve que c'est sympa de la part de Costil d'avoir fait ce geste envers les supporters. Ouais, c'est au moment où il y avait cette célébration là devant les grilles. Exactement. Du stade. Exactement. Bon, c'est pour ça que tu l'as retourné, qu'on voit Costil en fait, on voit pas le logo. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de mal avec le logo, tu le sais, Conan, donc je voulais pas du tout voir l'autre côté. Allez, je salue tous nos spectateurs qui sont là, tous les socios, tous les supporters des Girondins. On est presque 200 connectés. Salut à tous, merci d'être avec nous. L'émission, je vous rappelle, est diffusée en direct sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Si vous êtes sur Facebook, hop, vous venez nous voir sur YouTube. Vous verrez, comme ça, vous aurez accès à plus de vidéos. Vous pensez à nous mettre un petit like sur la vidéo pour la partager et à vous abonner aussi à la chaîne. Je vous affiche, messieurs, le programme de ce soir avec un invité qu'on recevra à 20h. Mais avant ça, on va consacrer une demi-heure à Bordeaux-Rennes avec enseignement focus. On parlera des notes et je pose une question, les jeunes au pouvoir. Donc vous donnerez vos avis et vos enseignements après ce match. On recevra l'écrivain, auteur et philosophe Monsieur Thibaut Leplat qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur le football comme Guardiola, Éloge du style, La magie du football ou encore Ici c'est Paris. On parlera avec lui identité et rachat avec l'identité club. Il nous aidera peut-être à élargir nos horizons et nos points de vue sur ce sujet et on se posera la question comment le nouveau propriétaire des Girondins va faire pour s'approprier le club et faire vivre cette identité girondine. Et enfin, on parlera ensuite de Thèbes. Les Girondins ont-ils assuré leur maintien en Ligue 1 ? Question que je vous poserai après ce match. Et quelle équipe face au FC Nantes samedi à 13h ? Est-ce qu'il faut remettre les mêmes ? Est-ce que Jean-Louis Gasset va faire des changements ? Voilà, ce sont autant de questions que je vous poserai. Est-ce que ça vous convient, messieurs ? Mais bien évidemment. Très bien. Bon, super. On va parler d'une victoire pendant une demi-heure, donc on va pas te dire oh non. On aurait préféré parler de King Street ou de Longue Épée. Non, pour une fois, on va parler d'une victoire. Ouais, je voudrais remercier tous les messages que je reçois, tous les messages qu'on reçoit en réaction aux émissions et pour nous soutenir. Je vois Samuel, il me regarde. je suis studieux.
chez Sidieu pour nous soutenir. Et merci aux socios, nouveaux socios, Thomas qui vient de nous rejoindre, Dédé et Bernard. Voilà, bienvenue à vous. On est presque à 100 sociaux, hein, les amis. Merci à vous, c'est top. Allez, Samuel, j'ai envie de te donner la parole. Parce que nous, moi, j'en peux plus. On est à la quatrième émission en 48 heures. Ah oui! Ah, Je suis plus habitué à ce rythme-là, moi. C'est... Ouais, tu vas voir quand le club des 5 va reprendre, hein, ça va te faire bizarre. Ouais, hein. Ouais, ça va changer. On verra d'autres matchs, ce sera sympa aussi. Ouais. J'ai vu vos studios, beau studio. Ouais, on est gâté. Ah, ouais. Bon, on attend. Quoi. C'est comme le maintien, encore une semaine, quoi. Minimum. Donc ça commence à faire long. Allez, quels sont tes enseignements, Samuel, après cette victoire bordelaise 1-0 face à Rennes? On t'écoute. Bah forcément, le premier enseignement, c'est la victoire, c'est les 3 points, c'est la série négative qui est cassée. C'est la première victoire pour moi des Girondins depuis Angers, même si bien sûr, en respectant Dijon et en respectant ce match, mais on va dire que c'est la première victoire pour moi de Bordeaux face à un adversaire qui joue quelque chose, parce que Dijon, on s'en souvient, était quand même assez amorphe contre Bordeaux, voire même en phase terminale, hein, à certains moments du match. Donc voilà, pour moi c'est le principal. Après forcément, c'est le principal enseignement. Après forcément, on est obligé de retenir 2 choses principalement de ce match. La première, c'est que Gassé aura attendu la 35e. Bon, il y a un dicton qui dit il n'est jamais trop tard, mais Gassé aura attendu la 35e pour prendre les décisions qui s'imposaient et casser une dynamique qui était catastrophique. Et ça se fait en mettant des nouvelles têtes, du sang frais. Et à Bordeaux, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est des jeunes parce qu'il n'y a pas de joueurs dans l'effectif dont on ne sert pas. Et ça a marché. Donc, je suis content que ça ait fonctionné. Je salue le geste de Gassé, même si j'ai pas envie de le féliciter, parce qu'encore une fois, j'estime que ça arrive trop tard et qu'il a eu la preuve par lui-même que son management sur les 6-7 derniers matchs lors de cette série n'a pas été le bon et qu'il aurait dû faire ce choix plus tôt. Maintenant, donc ça, c'est pour la partie positive de ce match avec l'intégration de certaines têtes qui ont fait une bonne prestation. Maintenant, l'autre enseignement, c'est que la maladie, elle est encore là. Peut-être qu'on commence à avoir trouvé un petit traitement, mais la maladie, elle est encore là. Le match qu'on fait hier, il est proche du néant. On est face à une équipe qui rate complètement sa première mi-temps et joue à 10 tout le match. Et pourtant, on s'est fait balader. On aurait pu, contrairement à d'autres matchs, on a eu des occasions pour mettre le deuxième, mais c'était vraiment en contre-attaque sur des épiphénomènes. Le reste du temps, Bordeaux a vraiment été maltraité. Et voilà, je suis pas énormément rassuré pour le match de Nantes, par exemple, mais je suis un peu plus serein par rapport au maintien parce que Bordeaux s'est offert 2 boucliers supplémentaires hier, qui sont Strasbourg et Lorient. D'accord, très bien. Bon, les spectateurs qui nous rejoignent sont contents d'arriver pendant tes enseignements. Je réponds. Ta diatribe. J'insulterai personne. La diatribe. Je sais pas si c'est péjoratif ou pas, diatribe. Non, hein, c'est pas péjoratif. Hein, diatribe. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Je parle vraiment pas français. Bon. Non, je crois que c'est un énoncé. C'est un plaidoyer, c'est presque. C'est ça, un plaidoyer. Ouais. C'est comme un plaidoyer. Ouais. J'aurais dû faire avocat, ça brasse plus. Hein. Ouais, je réponds à Drive qui me dit, parce que bon, ça mérite réponse, parce que c'est trop facile. Il dit merci Nico, pour le club ne prendra pas un point d'ici la fin de la saison. On est tous heureux que tu aies tort. Et moi aussi. Mais sauf que Drive, tu observeras qu'il y a eu des changements. Enfin, des changements qu'on demande depuis 2 mois maintenant. Donc c'est normal. On avait dit sans changement. Non, et puis même, il n'y a pas que toi qui l'as sorti, Nico, celle-là, voilà. Je te rassure. Non, mais on était sûr et on a eu raison. Et moi, mais c'est bien, ils ont retenu que Nico, c'est cool. Hein. Mais bien sûr, mais Nico, tu as raison. On avait raison, mais j'avais raison. La semaine dernière, je me suis fait un peu chahuter parce que j'ai dit en disant que j'en avais ras-le-bol que ceux qui regardaient pas la Ligue 1 nous disent que ça allait et que tout allait bien se passer. Pourquoi ça s'est bien passé hier? C'est pas parce qu'on les a écoutés et qu'effectivement on a attendu le miracle et que le miracle est venu. C'est parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits sur la pelouse. Et même si ces choix ont pas été, comme je viens de le dire dans mes enseignements, très très très, on n'a pas vu une révolution footballistique côté Bordeaux. Ces choix ont permis la victoire. Et ça, c'est important. Et ça, on le disait depuis des semaines. Encore une fois, on le dit pour certains depuis le match de Nîmes. C'était le 21 février. On est le 3 mai. Voilà. Mmh.
Voilà. Allez, on continue les enseignements. Gino. Alors non, Gino, toi, t'étais pas au stade. Donc, je te laisse. Oui, mais je peux te faire quelques enseignements, pas par rapport à la vision du match, parce que je pense que mes collègues en parleront beaucoup mieux, mais par rapport à d'autres choses qui m'intéressent. Moi, ça a été la portée des symboles, notamment de ce week-end, avec la masse des supporters qui a mené le bus et donc l'équipe vers la victoire. Pour moi, quelque chose de très important. Mara, quand même, ou l'insouciance de la jeunesse qui paye, et on l'avait réclamé, cette jeunesse. La communion entre le joueur et supporter en bas du virage, qui fait du bien, surtout quand on a eu une tonne de problèmes depuis des années maintenant. Et c'est des moments qui sont importants, notamment quand on lutte pour le maintien. Le deuxième, c'est l'objectif maintien, bien sûr, où pour moi, on est mieux placé que le groupe de 5 équipes qui est dans le bas du classement, mais il reste encore à bien finir cette course. Et le troisième, c'est plus pour l'expérience personnelle qui a été un dimanche pas comme les autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui l'ont vécu. Et vivre un match comme ça et une arrivée avec le bus où on l'a accompagné, où franchement, j'en ai eu des frissons, des chants, des fumigènes, de la course sur cette colline. Là, on l'a vu, cette vidéo, tu l'as retweeté, Nico, qui est assez exceptionnelle, où les gens étaient vraiment fanatiques, où il y avait vraiment quelque chose de très particulier. Et vivre un match à la radio, c'est aussi spécial quand tu es en dehors de ton stade. Et il y avait vraiment une belle communauté qui a chanté, qui a fait la fête aussi. Et c'était vraiment un moment super agréable et vraiment un grand chapeau aux ultras d'avoir organisé encore ce moment. Ouais, c'était une belle fête. Tu es le seul là dans cette émission à y avoir été présent. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils l'ont vécu avec le direct qu'on a fait, direct, le duplex, je ne sais pas comment on dit, où nous avons fait vivre les deux. Ouais, nous avons fait vivre ça. Franchement, c'était top grâce à Patrick. C'est même un duplex en direct, du coup. C'était un duplex en direct, ouais. C'était vraiment exceptionnel et on ressentait l'émotion. D'ailleurs, il y avait beaucoup de spectateurs émus. Voilà. Ouais, et beaucoup d'émotions, comme tu as dit, des gens même sur place. On en a parlé un peu hors antenne, qui étaient presque en pleurs, qui pour eux, ce match, c'était pas comme un titre. On va pas aller jusque là, mais c'était quelque chose de vraiment super important, quoi. Oui. Même dans leur vie. La meilleure prestation bordelaise hier, elle était hors du stade. Hein. On est content d'avoir gagné. Hein. Oui. Mais les meilleurs bordelais hier, ils étaient derrière la barrière. Hein. Et ça a influé beaucoup, je pense. Ça a beaucoup influé sur la préparation des joueurs. Et il y en a beaucoup, je l'ai dit un peu lors du live quand on s'est entretenu ensemble. Je pense que Patrick aussi l'a bien rapporté. Les joueurs, beaucoup ont été réceptifs. Moi, j'ai vu des joueurs, on pouvait apercevoir un peu à travers la vitre et qui regardaient vraiment les supporters. Et il y avait, je pense que ça te motive quand tu es sportif de haut niveau, même de voir ça. Ça peut pas laisser insensible. Ouais, Bordeaux peut être fier de ses supporters, dit Mathilia. C'est vrai que c'est assez exceptionnel qu'on fait. Alors, j'observe un peu ce qui se fait ailleurs. Alors, je veux pas. Franchement, on a des supporters magnifiques à Bordeaux. Quand tu joues le maintien en plus, Nico, tu vois, ça ramène quand même un truc qui fait que le mec qui a l'habitude de jouer ou dans d'autres clubs, qui était dans de plus petits clubs ou autres, c'est vrai que ça doit être particulier quand même. Et c'est bien, justement. Allez, Joe, tes enseignements, qu'est-ce que tu retiens ? Ben moi déjà, ce que je retiens, le premier enseignement, c'est la première fois depuis bien longtemps où j'ai senti un staff, des joueurs et des supporters qui tiraient tous dans le même sens. J'avais cette sensation-là où on était tous d'accord, on dit aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Les supporters ont montré la voie. Le staff avait pris quelques décisions auparavant et les joueurs ont réussi, même si tout n'est pas parfait, on est d'accord par rapport à ça. Mais il y avait quelque chose de différent quand même sur le terrain, je trouvais, parce qu'il s'est passé, je pense, avant le match. Et moi, c'est ça qui m'a fait du bien. Il y avait même les blessés, Ottavio, Koscielny, Bakua, Depréville qui étaient présents. Tu sens qu'il y avait un groupe, qu'il y avait quelque chose qui était là. Et puis voilà, et même l'arbitre était en plus de notre côté. Donc tout allait dans le bon sens. Donc qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Voilà, sur ce match-là, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Le deuxième point, c'est quand même effectivement les choix de Gassé. Sortir Bayes, Basic, Houdin, qu'on voit depuis des semaines dans le dur, voire plus pour certains. Faire des vrais choix, notamment en défense. Quand j'ai vu Benito, Meschir, Kouateng, j'ai fait, oula. Puis finalement, on n'a pas pris un but. Ça faisait très longtemps qu'on avait pas fait un clean sheet sur un match. Tenter Mara, remettre Lacou, effectivement, malgré son rouge qu'il avait pris il y a deux matchs. Mais ça lui a donné raison. Donc, peut-être que depuis le départ de King Street, peut-être que Gassé avait moins de pression et que du coup, il a pu faire les choix aussi qu'il voulait. Je me suis quand même fait cette réflexion-là, malgré tout. Même si je sais que beaucoup seront pas d'accord. On dit Gassé, effectivement, il faut qu'il parte, etc. On était tous d'accord par rapport à ça. Ce que je constate aussi, c'est par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine,
Et Bégacé, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais il dit c'est bon, j'en ai marre de certains. Ben, écoute, je les mets hors du terrain et puis je fais mes choix, moi, j'ai l'impression. Je me suis fait cette impression après le match. Je ne sais pas si c'est la vraie, mais en tout cas, voilà. Et le dernier point, quand même, c'est juste que l'enthousiasme, on va dire, de la victoire a quand même été vite refroidi par les victoires de Nantes et de Lorient, qui ont été quand même des victoires assez nettes de leur côté. On a vite été calmé par ça, même Saint-Etienne qui va gagner à Montpellier. Derrière, voilà, il ne faut pas que ce joli dimanche reste juste une parenthèse enchantée. C'est ça qui me fait un peu peur. La joie qu'il y a eu était bien derrière. J'étais content de voir les joueurs, communier avec le public, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la fin. C'est juste une étape. Et le week-end prochain, on a une finale qui est vraiment un match qui est encore hautement plus important. Parce que là, c'est un concurrent direct et c'est le dernier qu'on joue. Si on arrive à faire un résultat là-bas, c'est bon. Donc, on a fait une bonne chose parce qu'on a cassé, on a cassé des mauvaises séries, on a cassé beaucoup de mauvaises choses, clairement hier. Mais c'est juste une... On réenclenche juste quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est validé, il n'y a rien qui est prouvé, il n'y a rien. On a vu le match, ça a été très dur. On a été aidé par le carton rouge, etc. Il ne faut pas l'oublier. Quand tu vois les matchs de Nantes et de Lorient à côté qui ont vraiment fait leur match, même si Lorient aussi a pris un rouge très vite, mais Lorient a dominé de la tête des épaules le match. Lorient prend un rouge 10 minutes après. Ouais, mais il y a déjà 2-0. Il y a déjà 2-0. Il y a déjà 2-0. Ce que je veux dire, c'est quoi là ? Ils prennent un rouge à la 40e et Lorient en prend un à la 55e. Ouais, c'est ça. Donc, après le match, c'était quand même vite plié pour Lorient parce qu'Angers aussi, il n'a plus rien à jouer. Donc, Angers, voilà, après, c'est dégueulasse depuis le début. Voilà. Donc, et t'as Moulin qui part. On sent très bien qu'ils sont en fin de cycle et que voilà. Mais en tout cas, voilà. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas fini. On a relancé la machine, mais le danger est encore là. Le danger rend encore vraiment. Voilà. Mais Joe, moi sur Gassé, je le lis pas comme toi. Moi, pour moi, je suis là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, Gassé, notamment dans sa communication cette semaine sur le côté. Mais je m'en doutais que tu allais me répondre ça, Samy, t'inquiète pas. Non, mais sur le côté, bon, heureusement qu'on n'est pas d'accord, sinon on se ferait chier. Mais dans le sens où, sur sa communication cette semaine, ce qu'il dit sur Alain Roche, oh, on nous a trahis par rapport. Moi, en fait, je pense pas comme toi. Moi, je pense pas qu'il s'est libéré avec le départ de King Street. Je pense qu'il a compris avec le départ de King Street prématuré. Qu'aujourd'hui, il avait plus de. Il lui restait un long épée encore, mais il n'a plus de bouclier, Gassé, en fait. Il n'a plus de protection. C'est-à-dire que si demain matin, il y a une catastrophe sportive, il ne sera pas épargné. Il y en a moi qui m'ont trouvé trop dur, notamment la semaine dernière, mais je l'ai dit. Pour moi, il sera dans les responsables. S'il y a une mort à la fin, il fera partie de ceux qui ont tenu un couteau et qui ont mis un coup fatal. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, cette semaine, dans sa communication, il a tenu à rappeler que c'est la faute de King Street. C'est un peu lâche, mais bon, les absents ont toujours tort, comme on dit. Voilà. Donc, il se sert de ça, et je le comprends, pour essayer de se sauver lui et de sauver Alain Roche, même si on n'est pas dupe. Lui n'a pas fait un bon boulot. Alain Roche, j'en parle même pas, parce que je ne veux pas m'énerver. Il est 19h51, la journée est belle, on va rester tranquille. Et deuxièmement, il en profite pour faire des choix que tout le monde lui réclame, je pense, en dehors du club, donc les supporters, mais peut-être aussi à l'intérieur du vestiaire depuis plusieurs matchs, qui sont de confier des rôles importants à d'autres joueurs. Hier en défense, pourquoi Bayce il était aligné alors qu'il n'était pas bon depuis des mois ? C'est parce que Bayce, il a un rôle dans le vestiaire. Hier, il s'est dit c'est pas grave. Benito, il a un rôle, mais cher aussi, je vais leur faire confiance. Tom Lacou, c'est un jeune dans le vestiaire, ils lui ont dit tiens, vas-y, tu vas prendre un rôle très important sur ce match. Pareil pour Sekoumara. Et je pense, moi, qu'il a attendu que King Street soit parti parce qu'il a compris que s'il y avait eu catastrophe, il se serait rangé derrière King Street. Aujourd'hui, on sait, aujourd'hui, il est négatif presque ce qui se passe pour lui parce que aujourd'hui, on sait que le club va plus être sous King Street d'ici quelques semaines. Et même malgré le fait que le repreneur, voilà, enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas tous, mais malgré le fait que le repreneur va devoir quand même être assez costaud, mettre de l'argent et tout, etc., les Bordelais sont quand même soulagés de se dire que si ils sont maintenus en Ligue 1, ils vont partir sur une nouvelle page blanche avec un nouvel actionnaire. Ce sera peut-être pire que King Street, je le souhaite absolument pas. Mais en tout cas, on aura au moins la découverte et on aura au moins, le parfum de se dire on va bientôt avoir un nouveau projet qu'on va nous présenter. Et donc là, aujourd'hui, Gassé, il est en première ligne. Si un échec sportif, à savoir une descente en Ligue 2, pas administrative, mais bien sportive, le principal fautif, ce sera lui. Et donc aujourd'hui, il est en train de se trouver. Principal, non. Moi, je suis pas d'accord du tout par rapport à ça. Ça sera l'un des fautifs, mais pas le principal. Je suis désolé. Samuel. Samuel, tu peux pas l'accuser. On a vu les matchs avec la série. C'est pas la question. C'est pas la question. Non, les gars. Sinon, on parle pas. Mais vu le cycle, il parle de sportif. Mais tu résumes quand même en termes de cycle.
Oui, voilà. Non, c'est, pas... c'est un cycle qui a commencé bien plus tôt avec les Américains, pour moi. Gino, le cycle, il devait pas t'amener en Ligue 2. Non, non, je suis désolé. On avait déjà ces problèmes avec d'autres entraîneurs. Oui, mais on n'a jamais eu un entraîneur qui, pendant 13 matchs, n'a pas gagné. Moi, c'est ça que je lui reproche. Moi, je comprends. Je vais reformuler ce que dit Samuel. Pas le principal. Là, je suis d'accord avec vous. Samuel, ce que dit Samuel, c'est que Gassé, ça fait quand même 2 mois, les gars, qu'on demande à ce qu'il change sa façon de jouer. Il le fait là et ça fonctionne. Il est quand même responsable de ça. Ah oui. Au niveau sportif, c'est lui qui fait jouer l'équipe. Tu as une hiérarchie. Et je pense qu'elle est établie. Quand tu as des actionnaires et des présidents qui t'amènent le club comme ça, ben dans le trou, quoi, directement, il faut dire ce qu'il en est. Il faut savoir que ton groupe sportif et ton staff, ils sont automatiquement impactés par ce qui se passe. Et il y a déjà un cycle sportif de là, qui est pas bon. Avant-dernier sur toute l'année 2021. On est totalement d'accord, mais principal, le mot principal, il a raison de Joe, je pense. Mm-hmm. Tu ne peux pas le mettre en numéro 1. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, si vous voulez, c'est une question de place. En tout cas, ça aurait été, en tout cas sur la saison, si on veut partir sur tout le reste, sur la saison, ça aurait été l'artisan en termes de jeu de ce qui nous a conduit à descendre. Et donc ça, c'est dangereux pour lui parce que ça lui collera à la gueule. Et donc aujourd'hui, il a tout intérêt pour lui à trouver des leviers pour, d'un, s'en sortir parce que je ne pense pas qu'il a envie de descendre, et de deux, surtout si ça arrive, trouver d'autres coupables. L'avantage pour lui, c'est qu'il est tout indiqué, vous la preuve avec ce que vous venez de dire tous les deux, ce sera King Street. Donc, qui sait qu'il a déjà ce bouclier-là ? Je ne trouve pas très honnête de sa part, moi. Avant de te demander les réactions sur le chat, Conan, je veux quand même qu'on revienne sur cette composition d'équipe, vous en avez parlé, avec les jeunes au pouvoir. Mara, moi, c'était une vraie surprise. Je ne pensais pas que Gassé aurait le courage de l'aligner tout de suite. Lacou, on s'en doutait. Moi, j'attendais plus Traoré que Mara. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa compo, de l'organisation et de ces jeunes, Lacou et Mara, notamment, Zerkan aussi. Après, moi, par rapport à cette compo-là, clairement, j'ai été effectivement surpris, comme tout le monde, je pense, de ne pas avoir Bayes, voir Mara titulaire. Lacou, ça ne m'a pas surpris. Lacou, je le voyais bien. Seri, je crois, a été suspendu, si je ne dis pas de bêtises, en plus. Je ne voyais pas Basic, je voyais bien, effectivement, Lacou. Après, on a vu qu'effectivement, en termes de QI football, certains joueurs, c'est assez compliqué. Zerkan, il courait tête baissée tout le temps. Il a eu beaucoup d'activité, mais... il y avait beaucoup de choix, c'était très compliqué, il ne devait pas passer la tête, etc. L'équipe était coupée en deux, on a pris beaucoup de risques quand on attaquait, quand on faisait les contre-attaques, on montait à 5-6, et le repli était pas vraiment là. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses sur ce match, tu te disais, mais comment on prend autant, tu comprenais pas en ce moment, pourquoi on prenait autant de risques et pourquoi on maîtrisait pas le match, en fait, mais parce que il y a ce côté aussi, où nous on part avec un désavantage, c'est qu'on n'est pas en confiance, qu'on a une chape de plomb, en fait, dès qu'on rentre sur le terrain, que les joueurs sont pas bien, que le coach est pas bien, et que du coup, c'est très compliqué de bien entamer un match et de faire un bon match. Là, ce qui a été bien, c'est que l'entame du match elle a été bonne. Les 20 premières minutes, 30 premières minutes, même s'il y avait du déchet, pour une fois, quand un mec perdait le ballon, ben, tu avais 2-3 joueurs qui allaient récupérer le ballon. Ils allaient presser vite les mecs et bam, bam. Après, physiquement, ça a été plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu les changements très tôt, que Gassé a bien répondu, même si les choix de changement sont très compliqués, parfois sont très discutables. Mais je trouve qu'il a répondu au moment où il fallait, en début de seconde mi-temps. On était vraiment dans le dur. Les changements ont quand même fait du bien malgré tout. On a un peu remonté, on a un petit peu soufflé à ce moment-là. Après, ces choix. On peut que lui donner raison parce qu'on a gagné enfin. Enfin, on a gagné, j'ai envie de te dire. Ça fait très longtemps qu'il se plante, ça fait 2 mois qu'il se plante complètement. Et puis là, d'un coup, il décide de faire quelque chose vraiment de. On a vraiment vu quelque chose de différent. Mais bizarrement, effectivement, comme on l'a dit, il y a un résultat. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que les jeunes aient enfin joué, etc. Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose avant ou pas? Est-ce que ce n'est pas les supporters qui ont créé la victoire aussi? Quand je vois ce que j'ai, voilà, parce que j'ai vu avant le match. Comme l'a dit Benito, il a dit, il y avait une bonne rôle, il y a marqué, on vous amène vers la victoire. Benito l'a dit clairement. C'est ça la question en fait. Pour répondre à la problématique que tu donnes, Joe, c'est vrai que c'est que est-ce qu'il y a des Bordelais qui ont fait des bons matchs? Alors c'est vrai que Benito Mecher, moi je leur tire quand même mon chapeau parce qu'ils ont tenu. Moi j'étais très surpris. Ils n'ont pas été excellents. Il y a quand même des actions où ils sont prendre, mais ils ont tenu. Costil a fait ce qu'il avait à faire, donc plutôt un bon match. Mais en joueur de champ. Je sors pas un bordelais en vous disant putain hier il a fait son match référence de la saison ou un super match etc. Donc c'est là où en fait je tempère un peu. Gassé a fait les bons choix de changer les hommes. Ouais. Maintenant de là à dire que ce qu'il a mis en place hier a fonctionné, non, parce que on parle d'une équipe qui a joué à 11 contre 10 pendant 80 minutes. C'est pas une excuse hein, parce que statistiquement tu perds beaucoup moins le match quand tu te retrouves à 10 contre 11 au bout de 10 minutes que quand tu as une autre excuse à n'importe quel autre moment du match. Mais je veux dire, est-ce que ce qu'il a mis en place m'a convaincu hier? Non, parce que encore une fois, j'ai vu beaucoup de gens souligner le match de Yacine Adli.
ouais, dans l'état d'esprit, mais footballistiquement, il n'a pas fait un bon match. J'ai vu largement mieux d'Yacine Ali ces dernières semaines. Il a fait du bien. En première mi-temps, il faisait beaucoup de bien avec le ballon. Quand il arrive à accélérer, moins seconde mi-temps, en première mi-temps. Celui qu'on va ressortir le plus, c'est lui sur le match. Et pourtant, il fait pas un excès. Il fait même pour moi, il fait même pas un bon match. Voilà. On est d'accord. Je dis pas que c'est son meilleur match. Et il y a quand même plus d'intensité. Tu vois plus d'intensité que lors des matchs précédents. Je veux dire, ça c'est indéniable en termes d'intensité. Ce qu'on a vu avec des joueurs quand Seri n'est pas sur le terrain, quand Bazic n'est pas sur le terrain, ça court plus quoi. Je veux dire, non, mais ils ont plus faim déjà. Ils ont plus faim. Et ouais. Ben oui. Et ouais. Et ils ont pas la tête dans le guidon comme certains joueurs. Mmh. Ça aussi, il faut le dire parce qu'il y a des joueurs. Et il faut s'en rendre compte qui étaient à la rue. Il a bien fait d'ouvrir les yeux, notre ami Jean-Louis, et de, voilà, de changer par des joueurs qui, eux, ont faim. Et au-delà du pouvoir, moi, j'aime pas trop le pouvoir, le terme le verre, la jeunesse au pouvoir. Ou autre. Oui, bon, c'est un terme je pense, un peu mais bien sûr, Nico. Oui, oui. Mais t'as pas tort, puisque quelque part, il est revenu en arrière et il a quand même changé son optique, l'ami Gassé. Mais moi, je suis plutôt content. Alors, je sais pas quelle carrière ils vont faire, ces jeunes. Mais en termes d'expérience, c'est quand même très intéressant ce qu'ils vivent actuellement. Et on a eu le cas un peu moindre avec Koundé, mais qui était arrivé dans une équipe qui tournait pas du tout, où il y avait eu un changement d'entraîneur. Et on se rappelle que quand même, ça a été plutôt positif, à mon avis, pour son évolution. Et donc, si ça peut avoir un côté bénéfique, voilà, moi, je m'enflammerai pas sur ces jeunes. J'attends de les voir sur la durée et de voir un peu plus avec des mois et des matchs vraiment au compteur. Mais si ça peut les aider, ben, j'espère que ça sera le cas. Et nous aider aussi, pour la même occasion. Et nous aider, exactement, Joe. Et étape par étape. Étape par étape, là, hier, c'était la victoire à tout prix. Les jeunes sont allés la chercher. Contre Nantes, il va falloir avoir la victoire. Et surtout, on le disait, alors, l'impact, oui, il était plus fort hier. Mais là, contre Nantes, ça va être une baston. Ça va être une baston. Il va y avoir des mecs qui vont être beaucoup plus vicieux que talentueux sur le terrain. Ça va être une baston. Et là, pareil, c'est comme dit Gino, pour moi, je trouve que c'est… On verra, parce que par exemple, Amara Diané n'a jamais fait de carrière alors qu'il a laissé le PSG en Ligue 1 sur un doublé à Sochaux, une soirée extraordinaire pour lui. Et pourtant, ça ne lui a pas fait faire une carrière derrière. Mais j'ai l'impression quand même que tous ces gamins-là qui, au bout de 35 journées, ont enfin une chance de jouer avec l'extraordinaire Jean-Louis Gassé, vont pouvoir prendre beaucoup d'expérience. Et qui sait, ça va sûrement leur servir pour la suite, ça va sûrement les aider pour avoir un caractère, et surtout, ça va les aider à vouloir une place dans cette équipe. Parce que ce qu'on reprochait beaucoup aux Girondins ces dernières semaines, c'est qu'il y avait des joueurs qui ont été mis sur le banc hier, notamment un certain Thomas Bazic qui me souvient en premier, qui savaient que dans cette équipe, en fait, ils pouvaient ne rien faire, mais être titulaire. Ils avaient une place attitrée. C'était, voilà, c'était l'invite, c'était ils avaient la wild card à chaque fois alors qu'il n'y avait pas les performances pour être sur le terrain. Là, ces mecs-là, maintenant, après le match d'hier, Tom Lacou, même si ce n'est pas le même poste, mais Tom Lacou, il peut aller voir Bazic, il va lui dire et toi, bonhomme, tu vois la banquette là-bas, tu vas rester là-bas jusqu'au match de Reims et tu ne vas rien dire parce que de toute façon, sur le terrain, tu n'as rien montré. C'est dans leur tête qu'ils se disent ça, bien sûr, les mecs. Hein, c'est entre guillemets, c'est l'ego qui parle. Mais c'est important qu'eux puissent se dire que c'est possible. Et que l'entraîneur ne les bride pas ou leur laisse pas juste les miettes des 5 dernières minutes. Allez, il y a Thibaut qui est en backstage. Il arrive, Thibaut Leplat. On va l'intégrer à ce direct dans une minute. Avant ça, Conad, il y a des réactions sur le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Hein. On est presque 400 connectés, tout réseau confondu. Il y a beaucoup de monde, ça réagit pas mal. Ça réagit forcément sur les débats entre les pro-gassets et les non-pros. Après, il y a quelques petites questions. Ça me rappelle un autre débat il y a un an. On avait le même débat il y a un an. Ça faisait 3-4 semaines, les pro-gassets. Je ne sais pas sur quel opérateur ils étaient, mais il y avait des soucis de connexion, je crois. le coquin. Oui, ouais. Goran, j'ai demandé, ils ne savaient pas. Ils étaient un peu embêtés pour eux. Mais là, apparemment, ça va mieux. C'est bon, le réseau est rouge. Ouais, mais on vous aime aussi. On les aime aussi, les pro-gassets. On les aime aussi. Mais Nico, nous, on est pro-personne. Nous, on est pro, tout à fait. Personne. Mito, Samuel. Et Paulo Souza, c'est qui? Paulo Souza, tu rigoles non, ou quoi? Mais Paulo Souza. Oui, c'est vrai. On aimait bien Paulo. Et j'aimais bien Paulo Souza. Ce matin, c'est Paul Suze. Parce qu'il y en a qui disaient, tu l'aimes bien parce qu'il est portugais. Alors, je n'ai rien à voir avec le Portugal. Au contraire, c'est quand même une histoire avec le Portugal, comme tout français, assez douloureuse depuis 5 ans. Mais s'il s'appelait Paul Suze et qu'il avait les mêmes idées, mais je l'aurais adoré aussi. Moi, c'est une question d'idées de foot. On parle de fond, pas de forme. Mais justement,
Justement, ah, oui. On accueille l'enchaînement, l'adepte du beau jeu, monsieur Thibaut Leplat, qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue, Thibaut, dans le talk. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Le plaisir est partagé. Hop, j'affiche tous les prénoms, comme ça, pour que tu puisses les voir. Je connais certains, mais d'autres que je ne connais pas. Tu connais bien monsieur Vasselin Samuel. Hein. Oui. Ouais. avec ça, on a fait pas mal d'émissions ensemble. Ouais. Il est plus calme, dans le 4-5, il est plus calme. Posé avec le petit costard et tout. Là, voilà, on sent que les Girondins, ça lui tient à cœur. Donc, pas de costard, pas de cravate. Mais comme tu l'as dit, le plus important, et que tout le monde le sache, c'est le cœur qui parle avant tout. Exactement. Bon, un peu de cerveau ne ferait pas de mal, mais le cœur, c'est bien aussi. C'est bien s'il y a les deux, en fait. Hein. Je pense que c'est bien s'il y a les deux. Et c'est là pour ça, la deuxième partie, c'est bon. J'ai un cœur aussi, hein. Je ne suis pas juste un robot. Hein. On va parler. Alors, Thibaut, je t'ai proposé de venir parce que moi, je t'ai découvert dans un club des 5 hein, où vous parliez de jeux. Vous aviez fait un peu cette semaine sur les entraîneurs de Ligue 1. Je t'ai découvert là. Je ne te connaissais pas bien avant. Je vais essayer de te présenter ou je te laisse te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis journaliste à SoFoot depuis longtemps et en même temps enseignant en philosophie. Donc, j'ai un double parcours à la fois de journaliste. Et en même temps d'enseignant et de philosophe. Enfin, c'est un grand mot, philosophe. C'est presque une insulte dans le milieu du football, donc je vais éviter. Mais disons que je vais essayer de réfléchir un peu au sens de ce qu'on est en train de faire. D'accord. Bon, bah écoute, c'est parfait. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir, pour que tu nous éclaires un peu de ta vision du foot. Parce que nous, à Bordeaux, tu l'as vu, on est en pleine crise, pas d'identité. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais on peut peut-être le dire. Oui. Et donc crise d'identité. Entre les supporters et le club, c'est une crise d'identité depuis 2 ans. Alors, les supporters ont leur identité, mais le club n'arrive plus à communiquer avec ses supporters. Le club a pas d'identité. Voilà. Alors, tu as écrit plusieurs ouvrages pour te situer clairement. Guardiola, l'éloge du style, La magie du football aussi. Et il y a surtout Ici, c'est Paris, c'est un ouvrage. Alors, je ne l'ai pas lu, mais où tu as un peu analysé. Ouais. Donc, voilà. Mais tu as analysé comment les Qataris s'étaient appropriés le club en termes d'identité. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je me suis permis de réagir à la situation bordelaise. Donc, j'ai des attaches familiales en Gironde et que j'ai toute une partie de ma famille sur le bassin d'Arcachon notamment. Pas au Cap Ferret, je précise. Mais du côté des Landes. Donc j'ai une petite attache personnelle avec les Girondins. Et c'est une thématique qui m'est assez chère, la question de l'identité dans le football. Parce que j'ai commencé à travailler à une époque avec le Paris Saint-Germain sur cette question précise. Au moment, quelques années après le rachat, où il y avait encore beaucoup de questions au sujet de l'identité du club, on considérait que le rachat de la part des Qataris avait endommagé l'identité du club et on disait que le club perdait son identité. Donc j'ai sauté sur cette idée-là en bon philosophe pour me demander ce que c'était que l'identité d'un club précisément, et en particulier celle du Paris Saint-Germain, ce qui a donné lieu à un bouquin qui a ensuite permis d'alimenter un peu la réflexion du club sur la question de l'identité de ce club-là. Qu'est-ce qui est propre à ce club-là? Au-delà de la question de l'histoire, c'est pas que un problème d'histoire. C'est l'identité d'un club, et on pourrait y revenir, c'est en gros 2 composantes. C'est la mémoire, ça c'est quelque chose d'important, pas exactement l'histoire, il y a une petite distinction à faire, c'est la mémoire, c'est ce dont on aime se remémorer quand on est ensemble. On parlait ensemble en MP des maillots Panzani, par exemple, moi chez vous c'est les Panzani, j'avais la période Zidane, cette période-là, la période Courbis, même avant. Je me souviens avoir joué en levée de rideau à l'Escure, j'avais pris le tunnel et tout, le tunnel de l'Escure, ce genre d'éléments qui sont pas des faits historiques, mais c'est des choses qui parlent en fait à tous les gens qui aiment un club. Donc à Bordeaux, c'est plutôt ça. Moi, ce qui me parlait, c'était ça, mais je suis sûr que j'ai rencontré les supporters girondins, je parlerai de ça, je parlerai peut-être un peu des Libop, je parlerai évidemment de Gourcuff, je parlerai aussi de l'Escure. Je parlerai des maillots Panzani, je parlerai évidemment de Milan. C'est ce genre de fait d'armes, en fait, de choses qui fait qu'on, sur lequel on se retrouve. Pas forcément historique, c'est pas forcément des personnages historiques inconnus ou des vieux. La mémoire. Voilà, c'est la mémoire, c'est quelque chose qui est vivant. La mémoire, c'est quelque chose qui est présent. La différence de l'histoire, qui est un peu qui se rapproche plus de l'archéologie que véritablement de la mémoire. Donc, d'un côté de la mémoire et de l'autre côté du langage. Il faut que cette mémoire puisse s'exprimer.
et il faut que cette mémoire puisse se partager. Et donc l'idée, c'est d'arriver à mettre en dialogue ces deux composantes-là. Et comment j'avais m'étais pris pour Paris, et je l'ai fait ensuite avec l'OL aussi, c'est d'établir à partir de recherches, à partir de travaux, que ce soit universitaire, historique, sportif, une grille d'une poignée de valeurs communes, de principes communs. Je sais qu'à Paris, par exemple, il y a la question des chemises roses. La chemise rose, c'était le côté paillettes de Paris, qui est vraiment consubstantiel à ce club-là. C'est-à-dire qu'on reproche, par ça, de l'extérieur, on reproche à Paris d'être un club superficiel, etc. Non, c'est dans l'ADN même de Paris, en fait, d'être un club superficiel, et ça, les supporters parisiens l'admettent très facilement, en fait. Et comme ça, avec différents types de, il y avait l'histoire de la révolte, etc., etc. Et en réfléchissant rapidement sur les Girondins, j'ai repéré quelque chose comme ça. Si je devais dire un truc qui, moi, me fait penser aux Girondins, c'était la question de la générosité. Je trouvais que c'était des équipes qui avaient quelque chose de c'est pas forcément du beau jeu, Bordeaux, tu vois. C'est ça, c'est l'engagement. Voilà, c'est plus l'engagement avec quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui est proche à Lyon, qu'ils appellent l'intensité, qui est un truc propre lyonnais avec cette idée de on est quelque chose quasiment de quantitatif, mais qui est un peu fermé aux Lyonnais. Vous voyez, c'est les Lyonnais, ils ont une mentalité un peu plus très lyonnaise, très lyonnaise. Cette idée qu'on est un peu à part, quoi. La Gironde et Bordeaux, et moi ce que j'avais vu à Bordeaux, et même Cap Girondin, ceux qui ont participé à Cap Girondin, c'était un peu ça. C'est l'idée de la générosité, au sens c'est un effort, mais qui est un effort accueillant, en fait. Dès lors que tu participes à cet effort-là, tu fais partie de cette équipe-là. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé était peut-être assez proche. Un exemple, hein, il pourrait y en avoir d'autres, on pourrait discuter, et qui pourrait être une piste de distinction sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être bordelais, enfin être Girondin. Être Girondin de Bordeaux, ça serait, il y aurait cette idée de la générosité, et ça, et je termine juste là-dessus pour pas être trop long, c'est pas juste quelque chose d'abstrait, c'est pas un truc qui tombe du ciel, d'un truc de philosophe. L'idée, c'est, et ce qu'on avait fait avec Paris, et ce que je fais beaucoup avec Lyon, et on le fait encore, c'est transposer cette idée-là par des principes de jeu. C'est-à-dire que cette générosité-là, elle doit se matérialiser très concrètement par les principes de jeu. Ça peut être un système de jeu, ça peut être, par exemple, à Lyon, on a mis en place un certain nombre de, la question de l'intensité, ben, des exercices qui ont été créés à partir de cette notion d'intensité. Avec toujours cette idée qu'il y a, comme ça, une grammaire, quelques concepts auxquels on revient toujours et qu'on décline. Et ça va de l'exercice que tu vas faire en U16, jusqu'à la com du président, alors c'est avec plus ou moins de réussite à Lyon, mais jusqu'à la com, en tout cas théoriquement, de la com institutionnelle. Voilà comment un peu moi mon travail s'exerce, et voilà pourquoi j'avais envie de réagir aussi un peu sur la question des Girondins. Ouais. Bon, c'est intéressant, hein. La mémoire, le langage. Une réaction de Gino? Ouais, ça me paraît très très intéressant, parce que la mémoire, justement, j'ai l'impression que dans cette période très compliquée qui dure quand même depuis quelques temps, elle a jamais été aussi présente, parce qu'on se raccroche à ça. Dans des moments très difficiles, tu te raccroches à ce que tu as vécu de beau, quoi. Et beaucoup de supporters avec qui j'échange, on en vient à ça, à des moments de l'histoire des Girondins qui ont marqué, ou des déplacements, ou des moments précis pour le titre, pour l'escure et autres. Et c'est vrai que c'est même une question que je te pose. Est-ce que c'est pas le meilleur moment justement pour réfléchir à ça et enclencher des choses, pour travailler sur ce cette mémoire justement collective et qui fait un club? C'est toujours le bon moment, mais il y a simplement parfois des moments où les gens sont plus à l'écoute que d'autres. Voilà, et qu'il y a une question d'opportunité aussi à un moment où quand tu as une crise institutionnelle comme ça, et je me rappelle celle de Paris, hein, qu'on a connue avec Communi Capital, ce qui se passait dans les tribunes, il ne faut pas que l'identité soit un thème excluant. Il ne faut pas que l'identité soit quelque chose de figé. Très important que l'identité soit quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose c'est la définition même d'un club. Un club de football, c'est un organisme vivant, ouvert, variable. Il y a eu le même problème à Marseille récemment. J'ai discuté pas mal avec les gens à Marseille de ça. Sur comment tu vas définir ton club. Ton définition du club, elle vient pas de l'extérieur. Ça tombe pas du ciel. Mais elle est là. Elle est implicite, en fait. Et tout le travail que la philo peut faire, ou que des mecs comme moi on peut faire, c'est de faire émerger quelque chose qui est implicite, en fait. Effectivement, c'est le bon moment pour y penser, parce qu'une crise institutionnelle, elle se fonde d'abord, et je crois que dans votre cas, c'est un peu ça, d'abord aussi sur une crise identitaire. Qui on est?
C'est un vrai problème. La question du logo, elle se représente. Ah, en réalité, la question clairement. Du logo, elle a été présente dans quasiment tous les clubs, alors que tous les clubs changent de logo. Et tous les clubs, au moment de changer de logo, ne se posent pas la question de qui on est. Il s'avère que ce changement-là, à ce moment-là, a posé la question qui on est. Pourquoi les Girondins sont passés au second plan ? Excuse-moi, ça. Ouais. Non, je dis rares sont les supporters, d'ailleurs, qui sont contents des nouveaux logos, parce que très souvent, ces dernières années, je pense à la Juve, je pense à Nantes, je pense à l'Inter, dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont concocté là pour la suite. C'est vrai que c'est des logos qui sont design, parce que c'est ce qu'on nous expliquait, nous, à Bordeaux. Il faut que ça impacte, il faut que sur le score d'affichage, sur le panneau d'affichage, que sur le jeu FIFA, etc., que ce soit plus direct, qu'on reconnaisse que c'est l'Inter, que c'est Bordeaux, que c'est Nantes, etc. Mais c'est vrai que pour la plupart, moi, c'est des logos. Ils ne votent que rien. Par exemple, moi, tous les ans, j'achète le maillot de Bordeaux et des maillots qui me plaisent. Cette année, j'ai même pas, et pourtant j'aime bien Adidas, hein, mais j'ai même pas songé à acheter le maillot. Parce qu'en fait, il y a ce logo-là qui est dégueulasse, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais et qui sera changé heureusement dans 2-3 mois, je pense, parce que ce sera une des premières mesures du repreneur. Parce que sinon, j'achèterai pas de maillot l'an prochain non plus. Parce que ça m'appartient pas. Et ça, et ça peut paraître futile vu de l'extérieur de se dire, attends, t'aimes un club, mais parce que t'aimes pas un logo, tu vas pas acheter un maillot. Non, mais parce que la question du logo, à qui d'identité, voilà quoi. À qui il est destiné le logo ? La question, c'est qu'un logo comme ça, il est immédiatement destiné à des gens qui n'aiment pas les Girondins. Donc c'est comme une insulte en fait. C'est comme une insulte, comme une gifle que tu mets au visage des gens qui aiment ce club. Et c'est une marque en fait là qui dégage avec le logo. Voilà, c'est pas le même public. Non, tu c'est pas du rassemblement, c'est juste une marque en fait. À dégager, voilà, tu enlèves. Et c'est un des problèmes dans les managements actuels et de beaucoup de. Peut-être qu'avec l'histoire de Super X, tout ça va changer, mais les managers actuels, les managers, tout ça, c'est entre guillemets, ils ont tendance à tout rabattre sur la marque. Donc l'idée qu'un club, c'est un produit commercial d'abord pour eux. Et sur certains plans, ça l'est. Effectivement, ça l'est. Tu as besoin que ton club il gagne de l'argent pour qu'il survive, tout simplement. Pour qu'ils puissent payer les gens, qu'ils puissent se développer. Mais un club, c'est pas simplement de la marque. C'est pas simplement un autocollant que tu vas coller sur un frigo ou sur un maillot. C'est un logo, un club, c'est de la culture. Donc c'est du langage. C'est des gens qui vont se retrouver autour de des gens très différents. Et c'est la fonction du langage. On est tous très différents, on a tous de vies différentes, mais on a inventé une grammaire qui nous permet de nous exprimer entre nous. Mais c'est ça un club. Et vous savez que le club, au sens anglais du terme, le club, c'est comme le club de golf, en fait. C'était le bâton de parole que tu te passais dans les réunions. C'est ça, un club, au départ. Donc, d'abord, un club, c'est une conversation, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à rétablir. Et quand on se dit qu'on n'arrive plus à se parler, ben, ça n'est plus vraiment un club quand on n'arrive plus à se parler. Tu disais, c'est un peu... on se demande qui on est, mais les supporters se demandent qui sont ceux qui dirigent... notre club, en fait. Tu vois, si tu veux, c'est ils sont pas légitimes, quoi. On a le sentiment qu'ils sont pas légitimes. Ça peut être un sentiment qu'on peut avoir. Surtout, tu les connais pas. Tu les connais même pas. Tu as un acte. Là, par exemple. Là, King Street, on les connaît pas. On n'a jamais vu de visage, pas de bouche, pas de nez. Là, le nouvel actionnaire, bon, même si je pense que le logo sera assez spécial parce qu'il va beaucoup consulter des supporters après l'épisode de l'été dernier, mais pour rester sur l'exemple du logo, je pense que le prochain actionnaire du club et le prochain président allaient faire aussi un logo qui allait un peu plus, entre guillemets, leur ressembler. Là, on a compris, King Street, le logo était un peu à leur image. Le logo, comme on l'a dit, s'adressait aux autres, il s'adressait aux gens qui ne connaissent pas le logo de Bordeaux et qui doivent voir en gros Bordeaux et en petit Girondin pour faire plaisir aux supporters. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, en Europe, on se souvient que c'est les Girondins de Bordeaux. Parce que le problème des présidents comme ça, des Américains et des gens qui arrivent, même des présidents de manière générale, c'est que les supporters, en fait, sont un problème pour eux. Ils ne veulent pas le reconnaître, ils ne veulent pas l'admettre. Et sur un certain nombre de plans, on peut le comprendre. Il faut essayer de se mettre dans la tête, pour essayer de comprendre. Il faut commencer par essayer de se mettre dans la tête de ton adversaire, essayer de comprendre comment ils pensent. Et pour eux, les supporters, bon, c'est bien, ça fait des fumigènes ou pas, ou ça fait des banderoles, ça fait de l'ambiance, mais c'est quand même beaucoup de problèmes au niveau institutionnel. Ils viennent t'emmerder sur des détails, ils viennent te dire « oui, ton logo, il n'est pas bien », alors que toi, tu as payé des études de marketing hyper chères avec des cabinets qui t'ont expliqué que tout ça, pour le positionnement, pour Internet, et tu as trois types qui veulent venir dans ton bureau et te dire « ah ouais, il n'y a pas le scapulaire dessus ». C'est un scandale. Et pour toi, évidemment, toi, tu es un manager, tu es international. C'est-à-dire, tu peux être ici ou à Shanghai, c'est pareil. Pour toi, tu ne comprends même pas la question, en fait. Tu ne comprends même pas le problème. Et en fait, je pense que le problème vient d'une absence de langage commun et de la part de ces gens, d'une absence de culture, véritablement. C'est-à-dire, c'est des gens qui,
ils se sont d'abord penchés sur le logo avant de se pencher sur la question de savoir qu'est-ce qu'il représentait. Sur quel territoire ils s'inscrivent, dans quelle tradition ils s'inscrivent, et dans quelle identité, c'est au sens-là, identité locale, ce club s'inscrit. Et la particularité de Bordeaux, notamment, c'est qu'elle a dans son nom un paradoxe. Bordeaux, c'est à la fois les Girondins, c'est à la fois la Gironde et c'est à la fois Bordeaux. Les gens qui connaissent la région savent bien que la Gironde et Bordeaux, c'est quand même deux choses très différentes. Il y a d'un côté la Gironde, un grand département avec beaucoup de forêts, très agricole, et de l'autre côté Bordeaux, ville qui ressemble quasiment à Paris sur plein de points et qui n'a pas grand-chose à voir avec son arrière-pays. Paris, ouais. Voilà, et on a ça dans le paradoxe de Bordeaux. Le Girondin, c'est le club de toute la Gironde, c'est pas juste le club de Bordeaux. Et c'est pour ça que j'avais réagi sur Twitter sur la question du monde du vin. C'est une tarte à la crème qu'on répète sans arrêt sur les Girondins. Depuis des années, on dit oh, le vin, ça serait déjà, à part un moment, peut-être une parenthèse, qui reste une parenthèse enchantée, mais qui reste minoritaire à l'égard du club. L'industrie du vin n'est pas la seule industrie concernée par les Girondins de Bordeaux. C'est pas vrai. Sinon, c'est rabattre Bordeaux au Château Margaux, au Saint-Émilion et à l'Entre-deux-Mers. Moi, j'aime l'Entre-deux-Mers. Très bien, mais c'est pas que ça, la Gironde. Il n'y a pas que ça, non. C'est les Landes aussi. Et c'est surtout les gens qui allaient à l'Escure, qui vont maintenant au Matmut, c'est les gens de la Gironde. C'est pas que c'est même régional, Thibaut. Régional. Parce que moi, par exemple, je suis ma famille a entre guillemets migré vers Bordeaux, mais moi je suis basque de base et la tradition dans la famille pour le rugby c'est emmerdant, mais pour le foot on s'est jamais posé la question que ce soit la génération de mes parents qui sont installés à Bordeaux ou les générations d'avant qui étaient dans les Landes ou à Bayonne. C'était quand même Bordeaux. C'est le grand club du Sud-Ouest. Le foot, c'était Bordeaux. Et pourtant, des Basques, pas forcément indépendantistes, mais quand même Basques, avec c'est-à-dire leur fierté locale. Pareil pour les Landais, mais pourtant, c'était les Girondins. Quoi. Et c'est pour ça que la vision de rabattre en fait, le club à l'histoire du vin, c'est une vision très parisienne en fait, de ce que c'est que ce club-là. Et si tu ne dis pas ça, tu comprends rien en fait à Bordeaux. Et puis si tu connais un peu le contexte local, tu sais très bien que ils ont pas un intérêt à aller être propriétaires du club. Ils s'en foutent un peu du club, si tu veux. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. C'est pas leur public, c'est pas. Exactement. Faire du business, ouais. Écouler des bouteilles, des bonnes bouteilles, ouais. Mais ça s'arrête là, quoi. Être partenaire commercial, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et puis quand on dit le monde du vin, dans ce cas-là, dans la bouche de Pinot, c'est des grands exploitants. Hein, ouais. C'est les plus connus. Oui, oui. Alors que le vin, c'est pas que ça. C'est les vendanges, la générosité. Je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi populaire, rural. C'est pas simplement trois gros exploitants et trois grands domaines, quoi. Moi, je pense au Côte de Castillon, même si c'est peu plus renommé. Ils travaillent très bien la terre là-bas. Et bon, c'est des vins, c'est pas Margaux, tout ça, mais tu as des trucs. C'est plus rural, quoi. Un exemple, si on parlait sur l'identité. Il y a le vin, peut-être certainement. Mais qu'est-ce qu'il y a du vin? C'est pas le vin le problème. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? Qu'est-ce qui est le propre à l'industrie du vin? C'est la patience. C'est le temps. C'est un certain rapport au temps. Et ça, il y a ça, sans doute, dans ce club. Il y a peut-être cette idée de la formation, l'idée qu'on va développer des jeunes. Il y a cette idée de la patience sur laquelle tout le monde va se retrouver. Tu vois, quand je te dis un langage commun, tout le monde aime le vin, tout le monde sait que cette région-là, ce n'est pas le vin le problème. Ce n'est pas l'étiquette du vin qui compte. C'est la valeur du vin. Et c'est ça, les valeurs d'un club. C'est être capable de dire qu'est-ce qui est le substrat. Tu vois, la chose sur laquelle on se retrouve. Joe. Moi, voilà, on parlait de l'attachement, des émotions que tu as vécues avec un club, etc. Tout à l'heure. Mais il y a quand même quelque chose en fait, qui me choque justement depuis qu'on a commencé à parler de ça, on en a parlé vite fait, c'est par rapport à l'Escure. Moi, quand je me rappelle quand on parlait de l'Escure, les mots paddock, le tunnel, la place Johnson. Tu avais plein de trucs comme ça, tu disais ces mots-là même à des supporters adverses, ils savaient très bien que ça représentait l'Escure. Moi, j'ai l'impression que l'erreur qu'on a eue, j'ai l'impression que j'ai perdu cette notion de côté populaire depuis qu'on est dans ce nouveau stade, malheureusement. Déjà, le nom, on a l'impression que ce stade, il n'a pas de nom. C'est ça qui m'agace, clairement. Il est gris, il est éloigné de la ville. Alors que l'Escure, c'était le poumon, pour moi, justement. Le stade, c'est le poumon d'un club, à la base, pour moi. Et là, ce stade-là, pour moi, ça ne l'est pas. Il est en dehors de la ville, il est difficile d'accès, il est gris. À côté, t'as un vélodrome à côté. Ça aussi, c'est magnifique, n'empêche. Non, mais quand on y pense, c'est vrai, ouais, c'est con, mais... Ouais, non, mais c'est con, mais voilà, ouais, il fait un petit comme ça. Un vélodrome, hein.
Oui, non, mais, je sais bien, mais tu vois ce que je veux dire, mais il n'y avait pas le mot vélodrome. Là, tu as un vélodrome juste à côté, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est con, mais voilà, mais je me dis, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur à l'ancienne, hein. Alors, tu sais, on a eu ce problème à Nice, par exemple, la question du stade, qui est toujours présente, hein. Où tout le problème de avec le rail, quoi, alors ils disent le rail, ça dépend de la tradition qui appartient, qui est juste à côté de chez moi, parce que moi je suis à Nice. Bon, bah, le reste, c'est vraiment un stade, vraiment à l'ancienne, avec les types sur les fumigènes, il y avait un peu ça, un peu à l'escure, mais vraiment là, t'étais vraiment dessus, c'est en pleine ville. Bon, au moment où il a fallu partir à l'Alliance Riviera, je sais pas, je dis Arena, à l'Alliance Riviera, bah, ça posait ce problème. Ah, exactement pareil, il y avait pas de tramway, on pouvait pas se garer, c'est une galère absolue, et ça a été très compliqué d'habiter ce stade-là. Or, ce qui a été fait à Nice, et là-dessus, la com de Nice travaille très très bien là-dessus, parce qu'à Nice, il y a une tradition là-dessus, qui est de mettre en lien avec l'ancien rail, et de sans arrêt de reprendre des appellations, de venir habiter ce stade. Et un stade, ça ne s'habite pas du jour au lendemain. Mmh. Ça prend du temps. Il faut l'habiter. Il faut que chacun ait ses repères. Il faut que tu avais l'histoire du berger. Vous connaissez l'histoire du berger, le mec qui était qui s'est en haut d'un arbre pour aller les matchs. Bon, ils l'ont remis dans le stade. Et c'est vous savez, pour les managers américains, ils ne percutent pas ça. Mais si vous ne leur expliquez pas, si vous expliquez pas ça calmement, en parlant leur langage à eux, en leur expliquant que c'est des choses qui ne coûtent pas cher, ça ne coûte rien faire ça. Mais ça parle aux gens. Ben, c'est des petites choses comme ça qui fait que petit à petit, ton stade, tu vas l'habiter. Et qu'est-ce que ça veut dire habiter? Ça veut dire avoir des habitudes à l'intérieur. Bien sûr. Et comment tu vas construire? Et ça, après, ça se fait du jour au lendemain. Et c'est terrible parce que le stade actuel de Bordeaux, je suis totalement d'accord avec Joe sur le côté, en fait, pour moi, Bordeaux, c'est l'escure. Pour moi, les matchs de nuit de Bordeaux, c'est l'éclairage de l'escure. Enfin, voilà, c'est ça. J'ai toujours ce petit pincement. Mais. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que le stade qu'on a aujourd'hui, sincèrement, il faut le dire, hein, même s'il y a plein de choses qui sont différentes par rapport à l'escure, il est extraordinaire. Architecturalement, il est beau. Extraordinaire. Là, et même de la manière dont il est agencé, il y a de quoi vivre sportivement une très grande chose dedans. Le truc, c'est que, et c'est le problème du foot actuel, c'est que depuis qu'on est entré dans ce stade, il n'y a aucun plan sportif. Il n'y a aucun plan sportif et aucun plan, surtout club, pour intégrer encore plus les supporters dans ce stade, même si pour l'instant c'est eux qui lui ont donné sa petite voix qu'il a eu depuis son inauguration, et aucun plan sportif pour faire briller l'équipe dedans. Moi je suis persuadé que à la première saison Bordeaux finira européen, voire qui sait sur le podium, et qu'il y aura la fête dans ce stade avec ses coursives magnifiques, etc. Je suis persuadé que les souvenirs et la manière dont les supporters s'accaparent ce stade, s'identifient à lui, seront beaucoup plus fortes. Contrairement au logo, pour moi, il n'y a pas de point de non-retour. Je pense que ce stade peut un jour faire partie de l'identité du club, si le club s'en crée une. Je donne la parole à Gino, et juste avant de la donner, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, Thibaut, mais juste le constat, c'est qu'on sait pas, on n'habite pas ce stade. Pourquoi? Parce que tous les vendeurs ambulants, quand tu es allé prendre ta saucisse, ton truc avec ton gamin, tu avais l'habitude sur ta chaise de camping là en plastique, mais tu étais heureux là, tu étais devant les odeurs. Ils ont viré tout le monde, ils ont mis des trucs aseptisés, ils les ont interdits de venir, et à partir de là, ils ont eu tout faux, quoi. Voilà. Donc ils nous ont mis du casino qui venait exploiter cette zone commerciale. Ils ont cru qu'on allait au centre commercial, quoi. Alors que c'est pas ça, on va pas au centre commercial. Quand tu vois le prix des trucs en plus. Et donc, il faut les voir. Vas-y, Gino, je te donne la parole. Et les boire. On te vend des sandwichs, on te vend de la boisson, mais c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes box gris et blanc. Ils se ressemblent tous. Ça n'a aucune chaleur. T'as presque pas envie d'y venir en plus, c'est ça. Et quand tu fais des stades à l'étranger, pour en avoir fait quelques-uns, et que tu vois comment ils conceptualisent l'idée de stade et l'idée d'amener le public aussi à y être avant les matchs, après les matchs, et à communier ensemble dans des endroits précis. Je vais citer l'exemple pour être concret. J'étais à Arnhem aux Pays-Bas, à Vitesse Arnhem, qui n'est pas l'un des plus gros clubs des Pays-Bas, mais qui a un beau stade de 35-40 000 personnes. Et bien, il y a un grand club house, un petit rugby, comme vous pouvez vous imaginer, ou que vous avez dans vos salles des fêtes ou associations, et qui est immense, de 150-200 mètres carrés, il doit être énorme le truc, où il y a des concerts de rock, il y a des buvettes, il y a les fanions, des clubs qu'a rencontré Vitesse Arnhem, par exemple. J'ai pu voir celui de Bordeaux en 97-98 quand on les a joués en Coupe UEFA. Et tu peux rencontrer des supporters qui t'accueillent. Un truc très ouvert. Et je sais pas, on n'a pas dû penser à ça parce que
quelque part, on l'a fait pour l'Euro, ce stade, au départ, il ne faut pas l'oublier. Oui, et il n'a pas été conçu pour les Girondins. Et là aussi, le club, je pense, a fait une grave erreur en n'ayant pas un vrai projet pour ce stade. Ouais, c'est ça. Donc, je voudrais juste souhaiter la bienvenue à Honoré, qui est socios de Web Girondins TV. Donc, bienvenue à toi, Honoré. Il vient de le prendre. Il vient d'être socio là pendant l'émission. Voilà, donc oui, on a abordé la question du stade, Thibaut. Je ne sais pas si vous voulez poser une question à Thibaut. Ouais. Moi, je voulais juste revenir sur l'histoire du stade. Le paradoxe, tu vois, j'avais écrit ça un jour dans un papier sur le paradoxe de l'identité d'un club. Un club, tout change. Tout change. Les hommes, les installations, les joueurs, les présidents, les supporters, les chants, tout change. Et pourtant, il y a toujours un truc qui reste. C'est quoi ce truc qui reste? Et la particularité des stades, c'est que tous les grands clubs, j'ai bien connu l'Espagne, j'ai vécu longtemps en Espagne, le Barça a changé 3 fois de stade. Le Real a changé de stade 2 fois. Tous les grands clubs ont changé de stade. Et c'est pas un problème de changement, en fait. Le problème, il n'est pas dans le changement. Le problème est de savoir pourquoi tu changes. Effectivement, la question et c'est pas le même problème qu'on a eu à l'Alliance, c'est-à-dire que tu changes en réalité. Alors, concernant le Rey, ils avaient vraiment besoin parce qu'il y avait un problème de normes. Quoi. Mais tu changes parce que pour un événement extérieur, qui est un truc très français, où l'État décide de dire, bon voilà, on va construire des stades pour l'euro, boum, après vous, démerdez-vous, habitez ce stade. Bon, ben, c'est difficile après de renouer avec une tradition locale, effectivement, la question des vendeurs. Et c'est des trucs, les types qui sortent d'Harvard ou d'HEC, il ne faut pas forcément les prendre de face. Il faut leur expliquer que ce qu'on leur demande, c'est pas de ne pas développer le club. Ce qu'on leur demande, c'est juste qu'ils comprennent ce langage qu'on a, nous, qui est un langage local, et que sans cet ancrage local-là, leur marque ne vaut rien. Non, mais est-ce qu'ils le veulent, Thibaut? Mais parce qu'ils ne le comprennent pas, je crois. Ouais, mais ils ne veulent pas prendre les personnes en face. Alors moi je ne les dédouanerai pas du tout, ces gens-là. Je vais être honnête avec toi. C'est des gens qui achètent. Et qui disent, nous on achète, on fait ce qu'on veut et on le fait comme on veut. Écoute, parce moi que j'ai ces gens-là. J'ai l'exemple. C'est un exemple. Moi j'ai un exemple à te donner. Oui. Alain Giresse, ils l'ont pris, ils l'ont amené à Paris, ils lui ont dit, ils lui ont fait faire un rendez-vous, 2 photos. Et voilà, ils ne voulaient pas lui donner un rôle en fait, ils voulaient faire de la communication. Et après, ils prennent pas peur. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas en fait. Oui, mais justement, ils s'en servent. On leur a dit, ils n'ont pas pris la peine de s'intéresser à l'histoire du club de manière profonde, de manière sincère. Voilà. Et regarde, par exemple, moi j'ai le cas de QSI. J'ai l'exemple inverse. QSI, quand ils sont arrivés en France, imagine tout ce qu'on a dit sur les Qataris, à côté de King Street. C'est gentil, quoi. Eux, ils ont une politique totalement inverse. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Paris, il n'y avait pas une seule archive, il n'y avait plus d'association d'anciens, plus personne n'avait les numéros même de Daniel Bravo ou des gens qui étaient des historiques du club. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de revaloriser ce que les autres avaient dévalorisé, à savoir le patrimoine immatériel du club. Pourquoi? Parce que pour être légitime dans ce club-là, ils avaient besoin de valoriser le club lui-même. Et comment tu valorises la marque? À travers son histoire, tout simplement, et à travers son patrimoine. Et que eux, ils avaient beau venir du Moyen-Orient, qui n'a rien à voir comme culture avec Paris, ils ont essayé de, avec plus ou moins de réussite, mais ils ont essayé de comprendre le local pour pouvoir ensuite le projeter internationalement. Et la question du maillot de Jordan, etc., pour les supporters du club, ils n'en ont rien à foutre du maillot de Jordan. Ils trouvent ça très bien. Ils trouvent ça très bien parce que c'est partie de l'ADN du club, ça. Côté, champagne, tu vois, ça fait partie de l'ADN du club. Ça, ils l'assument parfaitement. C'est pas un problème, c'est un problème pour les autres. Mais au contraire, à partir du moment où ça part d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'ADN de mon club, vraiment, qu'est-ce qu'on se partage, de quoi on parle quand on se retrouve, et que la question de Bordeaux, pourquoi ça n'avait pas été fait? Ça a été fait sans doute par paresse intellectuelle et sans doute une part de mépris à l'égard de ce que c'est que le football. Mais je te parle même pas des supporters, je te parle de ce que c'est que le football. On considère que c'est juste un moyen pour vendre des porte-clés. Non, il y a une vraie culture. Mais ça, il faut que nous, on apprenne aussi à le transmettre, ça. Il faut aussi qu'on soit capable de comprendre la logique mercantile pour pouvoir y répondre. Et moi, c'est le travail que j'essaie de faire avec Paris, notamment. C'est essayer de comprendre ce qu'ils voulaient. Il faut qu'ils comprennent que pour valoriser leur marque, tu ne peux pas le faire sans l'ancrage local. Et on le voit avec l'histoire de la Super League. On le voit que les plus grands clubs sont en train de s'effondrer parce qu'ils ont perdu leur attache locale. Et que ce qu'achètent les Japonais et les Chinois, malgré tout ce qu'on peut leur dire, c'est l'ancrage local. Je l'ai vu moi avec le Real et avec le Barça, le classico.
Il y a bien un match espagnol par essence même, c'est classico. Et pourtant, tout le monde s'y retrouve. Et pourtant, il est à 13h le dimanche pour que tout le monde puisse le voir. Les gars, je fais un stop pour notre entrage local sur Web Girondin parce que ça prend deux minutes. Ça lui a fait penser. Et c'est... Non, mais j'y ai pensé tout à l'heure et je le fais maintenant parce que Thibaut, nous, on a un partenaire qui est un viticulteur dans le Pomerol. Et c'est Johan Grégory qui est supporter des Girondins et qui nous supporte à nous en étant partenaire et qui fait gagner. Excellent, en ouais. Répondant à cette question, quel âge a ces Kumara ? Les gars, je n'ai pas fait plus simple, c'est vraiment pour vous faire gagner. Hein. Vous envoyez un SMS sur votre portable avec votre prénom et vous gagnez une visite dégustation. C'est à Libourne, quand vous pourrez bouger, c'est valable tout le temps. Johan, il vous fera découvrir le chai, nous on l'a fait. Hein. Il fait ça avec amour, son vin, et c'est du très bon vin, avec modération, bien sûr, je précise que l'alcool est dangereux pour la santé. Vous envoyez votre réponse avec l'âge de Mara et votre prénom au 06 61 30 39 67, et j'annoncerai le nom des deux gagnants après. Vous pouvez y aller dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 mois, il vous fera la visite, et c'est cadeau. Voilà. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il est autant amoureux des Girondins que de son vin. Donc, au moins, niveau situation, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, exactement. Et c'est, alors, c'est ça, un des problèmes, si on revient sur ce qu'on disait, c'est la question de quels sont ces managers qui arrivent dans des clubs et qui font n'importe quoi. C'est qu'ils n'ont ils ont pas compris qu'il y a un amour pour ce que tu es en train de faire. Et que, tu vois, ils pensent que c'est. Ils le méprisent un peu, en fait, au fond. Mais sans doute parce qu'ils ne le connaissent pas. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Expliquer ça de manière calme et de comprendre que oui, on va vendre des porte-clés. Oui, on va en vendre. Ne vous inquiétez pas. Mais que vous ne vendrez des porte-clés que si vos porte-clés ils veulent dire quelque chose. S'ils ne disent rien, personne ne va vous les acheter, vos porte-clés. Mais comment tu trouves ce juste milieu ? Parce que moi, je trouve très intéressant ce que tu dis sur Paris. Parce que, comment dire en fait, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de dans quel sens et dans quelle direction doit aller le club. On prend le cas du Paris Saint-Germain, on sait qu'ils ont une hyperpuissance financière qui remplit le compte en banque et que, mis à part le fair play financier, ils n'avaient aucune règle précise économiquement parlant. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement ? À partir du moment où tu sais que ton club va te permettre de gagner des titres, tu peux accepter d'avoir un maillot de Jordan qui, en plus, sera joli pour ta collection de vêtements, que tu pourras garder. Alors oui, si c'est le maillot numéro 1, ça, tu te les ronges un peu. Mais si c'est le 3e ou 4e maillot comme le PSG, il y a un intérêt à tout ça, en fait. Mais je ne pense pas que... Tu vois, tout ça, ça s'est fait en parallèle avec une logique de développement du public, notamment. Et il y a eu... on a insisté un peu sur la culture ultra. Il y a eu tout le débat avec la question avec des ultras à Paris. Ils sont sortis puis finalement sont revenus. Les historiques sont là. Il y a des anciens. Les anciens présidents sont revenus. Le club organise sans arrêt des réunions d'anciens, des anciens matchs, des choses qui. Tu vois, alors il y a plein de problèmes. Hein. Il y a des problèmes de formation, il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire sur la question du patrimoine immatériel du club, ils ont fait un travail qui peut être non pas exportable, mais en tout cas, on peut comprendre qu'il y a une logique. Ils ont réussi à créer une forme de synthèse parce que l'argent ne peut pas tout acheter. Et c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es propriétaire d'un club. Et ça, ils n'ont pas compris, en fait, encore. Ils n'ont pas compris qu'un club, précisément, ce n'est pas une société anonyme. Un club, c'est un patrimoine affectif, un patrimoine immatériel. C'est une PME, mais qui concerne des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est ça qui est difficile à comprendre quand tu es un manager. Et ils arrivent en s'imaginant que, on va moderniser. Mais c'est pareil à l'OM avec Hero, c'est pareil, des conversations que tu peux avoir avec. Écoutez ce que dit Sampaoli, c'est très intéressant ce qu'il dit sur l'identité d'un club. Lui, il dit, est l'idioma footballistico. Il dit, c'est un langage footballistique. Et ce qu'on essaie de faire, c'est construire un langage footballistique. C'est du jeu, un club. C'est d'abord du jeu. Donc, et savoir quel est le jeu que tu veux. La question, c'est savoir quel est le jeu que tu veux, selon quel principe, quelle valeur, etc. Et si le jeu n'est que la conséquence, n'est que la fin de ton processus, c'est que tu t'as pas coté, en fait, t'as rien compris. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, tu vois, en fait, l'identité de Bordeaux aujourd'hui, elle passe beaucoup plus par le terrain qu'en dehors. C'est-à-dire que, je m'explique dans ce que je dis, c'est que je pense que contrairement à un club comme le Paris Saint-Germain, où tu as des tentations, où tu as effectivement une relation au club qui est un peu plus… je trouve pas le bon terme, mais je voudrais pas les vexer, mais en tout cas, tu as une relation différente. À Bordeaux, j'ai le sentiment quand même que
ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir une équipe qui est performante sur le terrain. Ce qui crée une attache en plus de l'histoire que ce club a, c'est aussi d'avoir des joueurs qui se battent pour ce maillot, qui se battent pour le terrain. Et j'ai le sentiment que même pour un futur actionnaire, pour pouvoir établir un vrai plan d'identité, de communication, d'appartenance au club, il faut que tu puisses avoir privilégié le sportif de manière à ce que tu aies une équipe qui dégage quelque chose sur le terrain et qui derrière déjà, dans un premier temps, donne envie aux gens de la région de s'y intéresser et dans un second temps, de revenir vers ce club et de vouloir y appartenir. C'est pour ça que pour moi, à Bordeaux, contrairement à Paris, ou Paris, même si Bordeaux c'est une marque, etc., on connaît la région, la ville, etc., mais Paris c'est Paris. Paris demain matin, n'importe où dans le monde, tu as un mec, tu vas le voir, tu lui dis, Paris il serait 17e, ils sont premiers, tu lui dis, tu vas aller jouer à Paris, il va dire, ouais, Bordeaux c'est une ville géniale, mais il faut que tu lui dises, tu as envie d'aller jouer à Bordeaux, dans le Bordeaux de ci, dans le Bordeaux de là, dans ce Bordeaux qui. Et comme ça a pu être le cas à un moment donné avec Blanc, comme ça a pu être le cas aussi avec Bob, il faut que ce soit un Bordeaux et une patte et qui sportivement puisse te faire construire quelque chose. Il faut un récit. Il faut un récit. Le Bordeaux, là, son récit, mais pas réussi encore à le verbaliser. Il faut un récit. Il faut arriver à comprendre ce que dit ce club. Et ce que tu dis sur les joueurs qui ne veulent pas la Bordeaux, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Sam. Je pense au contraire, s'il y a bien un club qui peut rivaliser avec Paris, alors peut-être pas en termes d'échelle, mais en termes d'attractivité, c'est bien Bordeaux. Il y a une tradition justement d'attractivité de grands joueurs, de profil un peu d'outsider à Bordeaux. Il y a toujours eu cette tradition un peu de pas d'anti-Paris, mais d'espèce de Paris du Sud, quoi, qui est justement par Marseille. Tu vois, cette idée que ça reste une ville prestigieuse, un club prestigieux avec une certaine couverture, avec un territoire assez large et qui est assez attractif en réalité, qui est très connu. Bordeaux, c'est très connu à l'étranger. C'est un des clubs les plus connus. Parce qu'avant, tu allais avoir effectivement ce genre de cas. Et aujourd'hui, comme tu dis, c'est un Ben Arfa que tu vas attirer. Je respecte Atem Ben Arfa, je respecte l'artiste qu'il est, mais c'est Ben Arfa, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Ben Arfa qui sort de 6 mois à Valladolid. Mmh. C'est pas le Ben Arfa qui sort de 2 ans à Nice, de 1 an à Nice, tu vois. Donc, Samuel. Juste avant de lancer sur Ben Arfa, je vois que le temps passe hyper vite. Tu as encore un peu de temps pour nous, Thibaut ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ce qu'on va faire, avant Ben Arfa, on va aborder le thème Ben Arfa, puisque j'ai vu qu'il avait fait la préface d'un de tes livres. Que tu le connais ? Tu le connais personnellement ? Oui, je le connais. Ouais. Bon, j'aimerais qu'on fasse un tour. Une question chacun. Conan, une question du chat. Pour ceux qui nous regardent, qu'on salue et qui sont très nombreux. Et nombreuses. Tu me poses une colle là. Ah ben, je t'ai réveillé quoi. Conan. J'ai une feuille remplie, faut que je choisisse une question sur tout ça. Ah ben oui, on peut pas répondre à tout, c'est pas possible. Tu poses celle qui te. Moi sur Ben Arfa, je donne la mienne. Pas sur Ben Arfa. C'est des questions sur Ben Arfa uniquement. Non, alors attends, Conan, le temps que t'en choisisses une, moi j'en ai une. Moi, je te pose une question, Thibaut. Donc, avec ton expérience et ta hauteur de vue par rapport à d'autres, comment le nouveau propriétaire il doit faire pour intégrer l'esprit girondin, même si tu as un peu répondu là. Il doit le chercher d'abord. D'abord, il doit le chercher. D'accord. Il faut qu'il s'entoure de gens qui sont capables. Je suis pas là pour offrir mes services, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Je connais des gens qui font ça. C'est de se pencher sérieusement sur ce que c'est que cet ADN girondin, sur ce récit. Ça coûte pas cher de faire ça. Pas cher, mais c'est indispensable. Lyon l'a fait en 2010 avec Rémy Garde. Je l'ai fait avec eux un peu après. Je l'ai fait à Paris. Il y a des gens qui l'ont fait à Nice. Il faut absolument se demander sérieusement ce que c'est que ce club-là. Au-delà de la question, il y a la histoire, mais il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi ce que ça représente. Ça, c'est demain. Ça, il faut le faire demain. Et ça prend, disons, si on travaille bien et vite, ça peut prendre 2 mois. En 2 mois, tu es capable de fournir un... C'est ce que faisait le Real. Valdano l'a fait au Real aussi. C'est des choses que... Et Valdano, quand les Galactiques ils arrivaient au Real, donc les Beckham, etc., il leur distribuait un livret dans lequel il donnait un peu quelques grandes figures importantes du club et les valeurs du club. Qu'il listait, il en avait 5 ou 6 qu'il avait listées comme ça, et que chacun devait retenir. Au moment où il était, quand il était joueur du Real, il devait représenter ces valeurs-là. Alors, c'était issu parce que lui, il a beaucoup écrit, il avait publié 5 ou 6 bouquins là-dessus, et il avait fait une sorte de synthèse en disant, voilà, quand tu es joueur du Real, voilà à quoi t'adhères. C'est ça. Après, tu peux partir. Tu peux faire autre chose. Mais tant que t'es là, c'est ça, ta feuille de route. Tu vois, c'est ce genre de choses-là. Il faut arriver à voir les managers, le machin, il faut leur dire, voilà, c'est ça.
Mais ça, pour arriver à ce degré de synthèse-là, ça demande du temps. Et ça demande qu'il faut digérer d'abord tout un tas de une tradition. Gino. Non, non, mais je rejoins totalement. Après, comment tu formaliserais ça dans les Girondins de demain, toi, par exemple ? Tu nous dis des personnes en particulier, mais tu ferais... Si demain, par exemple, tu connais le nouveau propriétaire, comment tu crois qu'il pourrait arriver à faire ça ? En faisant un conseil, par exemple, avec différentes personnes ? On a des historiens qui travaillent très bien sur les Girondins. Julien B, Laurent Boin, qui ont fait des livres sur l'histoire des Girondins. Ils des membres de aussi, groupes de supporters. Bien sûr, c'est ça. Tu vois, des anciens joueurs, tu ferais comment ? C'est ce que j'ai fait. Tu regardes, tu commences par travailler sur... Alors, je ne vais pas vous donner toutes les recettes, mais je peux vous en donner en partie. Si, c'est effectivement, c'est d'abord identifier quelles sont les sources de légitimité du club. C'est pas que le capital, c'est pas que les supporters, c'est pas que les joueurs, c'est tout le monde en même temps, les dirigeants, les joueurs, identifier les personnes de confiance, ensuite identifier les travaux universitaires qui ont été faits sur le club, c'est-à-dire les travaux sérieux, avec des historiens qui vont parler d'une partie du club. Il y a beaucoup de travaux sociologiques aussi en France qui sont faits sur les supporters, donc ceux-là vont aider aussi. Et le travail consiste ensuite à mettre tout ça en réseau et faire émerger, à partir de tous ces langages-là, 6-7 points qui vont être des principes et qui vont des trucs solides parce qu'ils vont être basés sur une enquête assez profonde que tu vas faire émerger en commun, faire une synthèse, on appelle ça une synthèse où tu vas identifier ces 5-6 axes de développement qui vont te servir pour l'ensemble de ta stratégie, que ce soit à la fois pour la communication et en même temps pour le sportif. Ton choix d'entraîneur, ton choix de joueur, de recrutement, de profil, de modèle de jeu. Mais ça demande aussi l'étude sérieuse du jeu des Girondins depuis leur existence, depuis leur naissance. Ça veut dire que c'est beaucoup de temps de visionnage, de regarder les matchs. C'est pas juste lire un compte-rendu dans l'équipe, c'est regarder le match. Quels étaient les joueurs dont on parlait à l'époque ? Qu'est-ce qui a marqué l'esprit des gens ? Tu vois, et donc quel a été le style ? On avait un style très british dans les années 70-80. Voilà, on a un scapulaire qui est quand même quelque chose de pas unique dans le monde, mais qui quand même te ramène à une identité propre. J'avais repéré aussi le lien avec la Real Sociedad, par exemple. Un truc très intéressant. La Real Sociedad, c'est un club important en Espagne. C'est l'histoire basque. C'est pas n'importe quel basque. C'est des basques ouverts. C'est pas le Bilbao, la Real Sociedad. C'est la Real Sociedad qui est ouvert, qui est un club formateur, qui est un club historique du championnat. Moi, je me souviens, j'avais mon arrière-grand-père qui allait à San Sebastián voir les taureaux. Et il était sur le bassin d'Arcachon. Ils allaient voir les taureaux. Voilà. Donc, t'as une solidarité qui existe. Si on te demande demain avec qui je vais m'allier, ben, regarde. T'as la Real Sociedad, t'as 40 ans d'amitié avec ce club. Bon, ben, tu vas demain voir la Real Sociedad, tu veux refaire des partenariats stratégiques, d'identité, de construction de modèles de jeu, ben là, t'as une légitimité. Et ça, c'est un détail, c'est une chose parmi nous. T'as pas besoin d'aller chercher à Harvard un type qui va te sortir un truc qui va te coûter un bras. Là, tu vas voir Real Sociedad, qui pour le coup, en termes de club formateur en Espagne, on est quand même quasiment sur le top hein, en termes de club. Bon, ben voilà, t'as des choses à faire, t'as des partenariats à construire, et tout ça c'est inscrit en réalité dans un club qui est centenaire, donc je veux dire quasiment centenaire. Quelle est l'année de création, je me souviens plus. 1881. Tu parles de Bordeaux. En fait, les 140 ans. Je sens que c'est un débat historiographique, je ne vais pas rentrer. 140 ans. En tout cas, voilà, 140 ans, un club très ancien. Donc tout ça fait que les solutions aux problèmes que tu te poses, elles sont en réalité déjà présentes dans ton histoire de ton club. Elles se sont déjà posées. Et donc, si tu veux être fidèle, et tu n'as pas besoin d'être né à Bordeaux pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir la carte, tu vois, d'avoir grandi. Mais regarde un type comme, je trouve par exemple, intéressant ce que dit Longoria sur l'OM. Il ne dit pas qu'il est Marseillais. Il ne fait pas comme Héro qui fait semblant d'être Marseillais alors que le type, on dit, bah non, c'est pas. Non, Longoria, il dit, je suis espagnol, moi. Alors qu'il avait des maillots du PSG voilà, dans Longoria, son club. Il dit, quand on lui pose une question très intéressante l'autre jour, on lui demande, qu'est-ce que vous pensez sur la rivalité Marseille-Paris ? Alors, je ne sais plus à quelle occasion, pour le Classico, je ne sais plus quoi. Il dit une réponse très intéressante. Il ne dit pas je suis pour Paris, je suis pour Marseille. Il dit je suis président de ce club-là, je dois respecter cette rivalité qui est une rivalité historique. Voilà, ça, c'est la bonne réponse. C'est-à-dire, je ne suis pas Marseillais, je ne suis pas Parisien, je suis président de ce club. Donc, tant que je suis président de ce club-là, je vais respecter cette rivalité parce que je sais que pour vous, pour les supporters, elle a un sens très important. Voilà, c'est ça, un discours de club. C'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas faire et semblant. Pas en faire trop non plus. Et pas en faire trop, exactement. Tu le dis, pas en faire trop non plus. Parce que moi, à Bordeaux, ce que je m'insupporte souvent, c'est le Bordeaux-Marseille. Au-delà, alors, j'avais déjà parlé une fois du fait que je trouvais que certains supporters lui donnaient trop d'importance par rapport aux autres priorités sportives du club. Ça s'est vérifié cette année. Mais au-delà de ça, il y a certains
Il y a aussi certains entraîneurs, certaines personnes hors du club, des CM qui sont peut-être pas toujours supporters. Alors, je sais que c'est, il y a notamment Pierre Bèze, là, qui est CM, donc chez lui, c'est pas le cas, mais c'est peut-être le cas d'autres, mais qui t'amènent un espèce de message négatif autour de cette rencontre. Parce qu'on leur dit c'est un match important, pas parce qu'ils le savent, pas parce qu'ils essayent de lier une histoire à ça, mais ils te disent en gros, ah c'est Bordeaux-Marseille, c'est votre moment, RT like quoi. Alors que ce qu'il faut, c'est un peu plus d'histoire autour de ce rendez-vous, plus que ah ben c'est un gros rendez-vous, il faut le savoir. Et ça, moi, ça me dérange toujours un petit peu. Oui, c'est-à-dire c'est un gros rendez-vous, mais c'est la façon dont c'est fait. C'est ça qui est. Exactement, tout à fait. Encore une fois, faire 0-0 contre l'OM à 9 contre 11, ça n'a fait rêver personne. Mais c'est un gros rendez-vous, c'est historique. Oui, quoi. C'est historique, bien sûr. Joe. Moi, il y a un truc quand même qui, on va dire, qui m'interpelle. Ce qui s'est passé à Paris, je le vois. Enfin, j'ai l'impression que QSI a eu entre guillemets la facilité quand ils sont installés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de groupe d'ultra parisien. Il n'y avait plus de groupe de supporters à ce moment-là. On a l'impression que le stade était vide. Il n'y avait pas de voix de garde-fou comme on peut l'avoir à Bordeaux avec les ultramarines actuellement, comme tu peux l'avoir à Nantes actuellement avec face à Kita, comme on a pu l'avoir à Marseille aussi et face à Héro. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à Paris ne peut pas être reproduit de la même façon dans un autre club en France, peut-être à Monaco, peut-être, ou dans des clubs un peu plus... Voilà, où il n'y a pas de groupe d'ultra, de représentants, de garde-fous. Les ultramarines, concrètement, pour les convaincre, il va falloir y aller fort maintenant. Clairement, hein. Ça va être très compliqué de les convaincre, je pense, avec tout ce qui s'est passé. Même nous, en tant que supporters, je ne suis pas un ultra, mais je suis un supporter quand même de longue date, et c'est une passion pour moi, les Girondins. Je ne suis pas encore un ultra, mais bon, c'est quelque chose, moi, quand on perd ou quand on gagne, je vis plutôt bien ou pas la journée, bien évidemment. Il me dit que ce qui s'est passé à Paris, avec le contexte qu'il y avait à ce moment-là, je ne pense pas que ça sera possiblement faisable dans une autre structure avec un poids vraiment populaire comme peut l'être Bordeaux, Nantes ou Marseille, par exemple. Et tu sais, en réalité, d'expérience, je me rends compte que plus tu connais l'histoire d'un club ou d'un football, plus les gens, en fait, ils se rassemblent. Et que ce qui insupporte un groupe d'ultra, c'est quelqu'un qui arrive et qui balaye tout ça d'un revers de la main. Pas parce qu'ils trouvent ça pas intéressant, mais c'est juste parce que par paresse intellectuelle, parce que c'est trop gros à comprendre, trop compliqué à comprendre. Mais demain, tu vas voir un groupe ultra et tu connais le nom des grands joueurs, le grand des grands matchs, tu en as vu, vraiment. Parce que Longoria, il lit des bouquins en ce moment. Il lit des bouquins sur le football français. Il est en train de lire toute l'histoire des clubs français. Enfin, ce genre de choses, tu vois, c'est des détails. Mais tu te documentes, c'est un type qui est passé par la Juve, Valence, enfin, c'est des gros clubs. Et avec toutes les semaines des réunions de stratégie à la Juve, tu as toutes les semaines des stratégies avec des sociologues, avec des historiens, des gens qui viennent parler de ça, tu vois. Et donc, nous, comme on a un peu un mépris pour la culture football d'une manière générale, on n'a pas laissé la place à ce discours-là. Mais demain, les ultramarines, si demain tu vas leur voir en respectant leur culture et quand toi-même, tu as pris le temps, pas juste d'aller serrer les mains et d'aller voir des types dans les locaux, de vraiment te pencher, aller sur ton site, sur ton Footballia ou sur ton Wisecout, sur ton YouTube, te taper les matchs des années 80, en regarder quelques-uns et aller les voir en leur disant « Dis-donc, j'ai vu ce match-là. » Sans être démago, en montrant que tu as passé du temps à faire ça, ben je pense que tu as à moitié de la partie de gagner déjà. Parce que tu as montré que ça t'intéressait vraiment. Et le problème, c'est pas que ces gens-là viennent de l'extérieur. C'est pas ça le problème. C'est que le problème, c'est que ces gens viennent de l'extérieur et pensent qu'ils savent mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Ils n'ont aucun respect pour ceux qui sont à l'intérieur, précisément. Ouais, mais donc, ça peut aussi, du coup, fermer les supporters à ça. À Bordeaux, voilà, je pense que ça va être très compliqué pour le prochain entraîneur, pour moi. Enfin, moi, je pense, clairement, il va falloir... Pour ne pas reproduire les mêmes modèles, parce que ce qui m'a intéressé, je ne suis pas là pour faire la pub de QSI, et pas du tout, mais ce qui m'a intéressé chez QSI, c'est que précisément, j'avais les mains totalement libres. Je faisais ce que je voulais et qu'ils ont considéré que le patrimoine immatériel était aussi important que le patrimoine matériel. Et qu'à partir de là, bah, ils ont fait des initiatives. Par exemple, Ville Lumière, c'est devenu un hymne. Alors, ils ont mis les paroles pour que les gens les souviennent. Alors, ça peut sembler des détails un peu cons, mais quand tu es gamin, c'est bien de montrer qu'il y a des choses qui sont des chants qui sont propres, par exemple, à ce club-là, qu'il n'y a que dans ce club-là, et que oui, on va mettre les paroles. Bah oui, mais c'est bien si tout le monde le partage. Et que la culture, c'est quelque chose qui est fait pour être partagé, c'est pas quelque chose qui est fait pour être gardé dans des groupes, etc. Après, il faut que les groupes ultra comprennent aussi ça, qu'il faut aussi qu'eux-mêmes s'ouvrent. Ils s'ouvrent à ça, ils s'ouvrent au fait qu'ils partagent. Mais ils ne le feront que s'ils sentiront que ce partage est sincère, vraiment. Je ne suis pas là pour être démago, etc. Je peux avoir conscience, ça peut sembler un peu démago. Enfin, je pense que vraiment, il faut être de bonne foi, en fait, tu vois. Il faut prendre la vie au sérieux.
Mais de toute façon, comme tu l'as dit, c'est une évolution. Et quelque part, une évolution, elle est jamais linéaire. Enfin, elle est jamais linéaire et surtout, elle est jamais unique. Aujourd'hui, ça va peut-être faire plaisir ce que je vais dire, mais les ultramarines ne retrouveront jamais les Girondins qu'ils ont connus il y a 10 ans. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils ne retrouvent jamais plus non plus les Girondins qu'ils ont connus ces deux dernières années, mais vraiment du fond de mon cœur. Mais il va falloir aussi évoluer dans la manière de supporter, entre guillemets, quand je dis de supporter, c'est large, hein, mais la manière de supporter le club, d'accepter aussi les nouveaux supporters. C'est sûr que si demain matin Bordeaux est un club, si demain matin, on va pas se mentir, malheureusement, c'est triste, hein, mais la plupart des jeunes Français aujourd'hui vont supporter Paris, parce que c'est l'Amérique française, il y a Kylian Mbappé, etc., et y compris à Bordeaux, y compris dans la ville de Bordeaux, comme dans toutes les villes de France. Mais il va falloir accepter que si nous, et c'est pour ça que je parlais de projet sportif tout à l'heure, si nous, un peu comme l'Atalanta aujourd'hui, vite fait, et Leipzig, on développe un modèle sportif intéressant, à notre échelle, hein, peut-être pas aussi large, mais on va avoir des nouveaux supporters ailleurs en France, ailleurs en Europe, et c'est là aussi où la manière de supporter ce club, elle va évoluer. Mais moi, je pense que ça poserait aucun souci aux ultramarines, hein, dans la mesure où c'est fait avec respect. Après, je ne parle pas pour eux, mais je pense que c'est un groupe qui est quand même assez ouvert et qui a prouvé, de par ses actions, qu'ils étaient très ouverts. Et tu as un tel patrimoine local, tu as une telle force, la Gascogne, par exemple. C'est connu dans le monde entier, la Gascogne. C'est pas rien. La Gironde, c'est pas rien. T'as des grands penseurs, je pense à Montesquieu. Bon, ça, c'est mon côté un peu philosophe. Mais il n'y a pas que ça. Ce que je veux dire, c'est que tu peux rassembler. La culture, c'est fait pour rassembler. C'est pour ça qu'on a inventé le langage. Et c'est pour ça que tout ça ne fonctionne que si t'as des principes communs. Et les principes, il faut les faire émerger. Ça demande du travail. C'est pas quelque chose. C'est pas de la com avec un mec qui fait un PowerPoint et qui te dit, bah voilà, alors nous, c'est la générosité. Là, ce que je vous présente, ça rapidement. Mais ça, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail d'introspection, de réflexion, d'aller voir des gens, d'aller voir les directeurs, les présidents de groupe, d'aller voir les politiques, d'aller voir les journalistes, d'aller voir les historiens, d'aller voir les anciens du club et de faire émerger cette idée-là. Moi, je t'ai donné des pistes là qui sont des hypothèses. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire en profondeur. Et tu ne peux avoir monté une stratégie de club que si tu sais ça. Pourquoi la Real Sociedad? Pourquoi l'Athletic Bilbao sont des clubs qui existent toujours, alors que ce sont des petites villes, alors que dans le cas de Bilbao, ils ne recrutent que localement? Comment ces clubs existent toujours? Et parce qu'ils réfléchissent à ça tout le temps. La question de l'identité, ce n'est pas une question que tu te poses une fois, tu te la poses tous les jours, selon d'autres formes, avec toujours des formes différentes. Mais tous les jours, tu te demandes, est-ce que ça, c'est un joueur pour nous? Et tu peux répondre à cette question-là que si tu as préalablement défini quel était l'ADN du joueur bordelais ou du joueur basque. Voilà. Et on le sait, alors les Basques, ils répondent. Alors, bah, voilà, c'est celui qui est né au Pays Basque ou en Navarre, qui a telle ou telle caractéristique. Notre jeu est plutôt un jeu britannique, qui est fondé sur le kick and rush. Donc, on a essayé d'adapter. Voilà. Il t'explique. Et tu as des gens dont c'est le métier de faire ça. C'est ce qu'on appelle la méthode, la méthodologie. Alors, à Lyon, ils l'ont fait avec mon pote Pierre Sage. Ils font ça tout le temps. Je parle avec eux mercredi de ça. À Lyon, on va parler d'engagement. On va parler de l'ego, la question de l'ego et avec des exercices des U16. Comment tu vas traiter la question de l'ego dans le cadre du modèle de jeu lyonnais? Voilà. Ce genre de choses-là. C'est une vraie réflexion d'ensemble. Voilà, et c'est un truc sincère. C'est quotidien, c'est sincère. C'est pas quelque chose. Et ce que je veux dire, en plus, ça coûte pas cher de faire ça. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose qui est cher. Ça coûte moins cher qu'acheter un stade. Ça coûte moins cher qu'acheter que payer le salaire de Ben Arfa. Mais les idées, c'est pas cher. Hein. Quand tu as des idées, c'est pas cher. C'est pas très cher. Allez, Conan. On reste encore 5 minutes avec Thibaut. Une question, j'allais dire des socios, oui, de ceux qui nous regardent du chat. Et après, tu as ta question sur Ben Arfa, Samuel. Et après, on conclut avec Thibaut et on termine l'émission. Ok, bah alors je vais essayer de rassembler un peu trois choses que j'ai ensemble. Alors, on a Aruna Biagi qui nous a dit « Le futur repreneur ferait-il bien, lors du rachat, de prendre le package club et stade pour un projet à long terme ?» En sachant que, comme Kiko a dit, le stade serait à vendre, enfin, ou du moins, le gérant pourrait déposer le bilan pour le stade, vu de la situation. Et Zinedine Bakir pense qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau des gens du marketing à Bordeaux, qu'il faudrait peut-être voir à ce niveau-là, parce qu'il a dit qu'il y a des jeunes Bordelais compétents en marketing qui voudraient y supporter des Girondins pour intégrer le club, comme moi, mais on ne nous donne aucune chance. Ça me fait penser à Marseille où le président de Marseille, l'ancien, avait dit « il y a trop de Marseillais au club ». Le truc de fou, quoi. Le problème, c'est que quand ce qui était intéressant sur cette affaire-là, c'est que
c'est typiquement une réflexion de quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Qui se contente de, qui se contente de dire. Parce que, à la limite, l'idée, on peut la comprendre. Oui, bah, il faut des gens professionnels qui soient professionnels. Ouais. Ok, mais en quoi c'est incompatible avec le fait d'être marseillais ou même d'être parisien? Peu importe. C'est-à-dire, si tu es capable de définir quelle est ta stratégie, à la limite, qu'il soit marseillais ou toulousain, je veux dire, si tu rentres dedans et que ça rentre, un club c'est ouvert. Donc, tu n'es pas obligé d'être né à Marseille pour supporter Marseille. Ouais. Sinon, il y aurait plus grand monde qui supporterait Marseille. Donc, tu vois, c'est typiquement ce genre de cas où tu dis on va raisonner sur des trucs un peu simples. On va dire ah, bah oui, je suis parisien. Bah non, tu ne peux pas travailler pour Marseille. Je sais pas en fait, j'ai pas de réponse en fait à cette question là et donc ce que tu disais sur les gens du marketing, j'ai pas la réponse à cette question là ce que je dis juste, c'est que c'est pas le marketing qui commande et que le cœur du réacteur, c'est d'abord la méthode. C'est quoi ta méthode, où tu veux aller, c'est quoi ta destination et c'est quoi ton projet à 3 ans. Je te dis pas 10 ans, je te dis pas 15 ans, je te dis à 3 ans. Dans 3 ans tu veux faire quoi? Voilà. Donc, à partir de cette. On n'oublie pas que c'est un club de football. Donc, il s'agit de parler de football. Le marketing, ce n'est pas lui qui décide. Le problème, c'est qu'on a tendance à le mettre devant. On recrute des commerciaux, mais on ne sait pas quoi vendre. Donc, si tu ne sais pas quoi vendre, tu ne sais rien de recruter des commerciaux. Bon, ça, et sur la question du stade, ça, je ne peux pas me prononcer. Ce qu'il faut, c'est habiter ce stade. Il faut absolument trouver des continuités entre l'escure, qui reste quelque chose de très important dans la mémoire des Bordelais, peut-être en lui donnant les noms qu'on utilisait à l'escure, les transposer et faire venir petit à petit des habitudes. Mais bon, ça vient avec l'équipe, ça vient avec les résultats, ça vient avec les souvenirs, quoi. Il faut que tu crées des souvenirs dans ce stade-là. Et ça, à Nice, il y a eu l'histoire de l'aigle, il y a eu l'histoire du berger, après il y a eu des joueurs, il y a eu des saisons, mais c'est pas encore totalement ancré. Même à Nice, voilà, j'allais dire, moi, quand je parle avec les supporters niçois, ils me disent bof, quoi, c'est pas le stade du Ré. Non, mais la BSN existe toujours, tu vois, la BSN existe toujours, elle a un rôle important, en dépit, il y a eu des problèmes, etc. Ça continue à exister. Il y a un lien très fort. Le club réfléchit beaucoup à la question d'identité, à la question sans arrêt. Ils produisent des trucs sans arrêt là-dessus. Et ça, c'est très intéressant ce qu'ils font sur ce domaine-là, parce que c'est en fait Nice, c'est vraiment c'est le comté niçois, c'est vraiment à part en France. C'est un peu comme l'Alsace. Ils ont une tradition vraiment locale très importante, une identité locale très importante. Du coup, ils n'ont pas de mal à le transposer au club, tu vois. Il faudrait être capable de faire ça avec les spécificités de Bordeaux. Allez Sam, ta petite question sur Atem. Mais non, j'ai dit au contraire que moi, s'il y avait des gens sur le chat qui avaient une question sur Ben Arfa, je passais mon tour pour leur laisser. Mais après, vu que Thibaut connaît bien Atem, on peut lui demander s'il sait un petit peu s'il l'a eu récemment et s'il sait un petit peu dans quel état d'esprit il est en ce moment, parce que c'est vrai que lui qui le connaît par cœur sur le terrain, c'est le jour et la nuit depuis Marseille. Enfin, les 13 matchs des Girondins correspondent aussi au flambeau de Ben Arfa qui s'est éteint complètement, quoi. Il a quitté l'aventure voilà. Il a lâché en même temps que le club, hein. Il a lâché en même temps que les supporters, je peux dire. Il a lâché parce qu'il n'y a pas de feu, quoi. C'est un type qui résonne comme ça, quoi. Tant que Gasset le portait au nu, il était content, et quand Gasset l'a laissé, lui-même, il a lâché, quoi. Il est au même titre que les autres, je veux te dire. Il n'est pas pire que un autre, simplement ça tombe évidemment sur lui parce que il a une personnalité qui fait que, que sur un terrain il peut pas trop se cacher, et du coup il prend aussi un peu pour les autres. Donc moi je vais pas le défendre parce que, mais je sais qu'il était très heureux par exemple d'aller à Bordeaux. Pour lui, la région, le club, pour lui c'était ça. Tu disais sur l'attractivité, il était très heureux de signer à Bordeaux, au-delà même de Gasset. Il considérait que c'est un grand club français, que c'est qu'il y a une identité locale forte, une région très intéressante. Il est très heureux, tu vois, dans cette région là. Le problème, c'est voilà, c'est la gestion de ce club-là. Mais le trading, par exemple, je fais une parenthèse. Le trading, c'est pas un projet de club. Hein, le trading, c'est un projet commercial, mercantile, mais c'est pas un projet de club, ça. Tu peux pas rassembler des gens autour d'une idée de trading. Ça n'a aucun sens. C'est pas de la bourse. On fait pas de la bourse. D'accord, ouais. Non, mais ça peut pas. Tu vois, on en parle sans arrêt, mais je dis c'est. Ça veut rien dire en fait. Ça, c'est une méthode. Le trading, c'est une méthode, mais c'est un moyen d'obtenir quelque chose. Mais tu veux obtenir quoi? Pourquoi faire en fait, Thibaut, tu oublies de préciser un truc, c'est que le trading, il vise à la base à investir pour espérer récupérer. Bordeaux, depuis 18 mois, il n'investit plus rien. Tu veux récupérer sur des choses que tu n'investis pas. Ouais, non, c'est un cas d'école. Hein, les Girondins, c'est vraiment un cas d'école de
comment tout mal faire, quoi. Tout mal faire. En tout cas, c'était passionnant. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à vous, les gars. Bon courage. Hein. C'est super un peu sur le moment. Merci, c'est plein de pistes. Je pense que je réécouterai le passage. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a tes ouvrages hein, sur le jeu, sur Paris, où tu abordes cette question. Oui. Et... Guardiola, ça doit être intéressant aussi. Mais j'ai travaillé aussi sur Real Madrid et Barcelone. J'ai fait une histoire du Classico, donc c'est aussi à ce moment-là. Ah oui, c'est toi l'histoire du Classico. J'ai réfléchi beaucoup, là, c'était mon premier bouquin là-dessus, en fait. Ce livre, il est franchement, moi, c'est un des premiers bouquins que j'ai lu sur le foot après mon bac. J'ai vu des livres quand même avant, un petit peu à l'école, j'étais obligé. Mais vraiment, dans les bouquins que j'ai lus après le foot, j'ai lu ça et c'était à l'époque de la première C1 celle sous Ancelotti. Donc c'était quand il y avait quand même encore un petit aspect. Voilà, mais à tous les amoureux de foot qui aiment le Barça, le Real et la Liga, celui-là, en plus, il se lit. C'est une réflexion sur l'identité de jeu, sur l'identité de club et de ces deux clubs-là. Donc ça vient de ces recherches-là. En fait. C'est pour ça que je vous parle de ça, c'est parce qu'au bout d'un moment, à force d'en étudier, j'en arrive à quelques théories quand même. Non, et l'identité de jeu et l'identité de club, comme tu as dit, et c'est vrai que pour Bordeaux, faudra pas y croire parce qu'il n'y a rien qui nous correspond dans ce livre. On n'est ni le Real ni le Barça, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à apprendre sur l'écriture de l'histoire du club par les gens qui sont issus de ce vivier-là. Tout à fait. Bon, merci Thibaut. Nous, on continue cette émission. On va un peu déborder. À bientôt sur SoFoot et ailleurs. Allez, au revoir. Ciao. Intéressant, les gars. Merci d'être encore là. J'ai les deux gagnants. C'est Ludo et Fernand qui ont gagné. Je crois que ce sont des socios. J'en suis pas sûr. Des socios. On aurait pu parler une heure de plus. Large. Bon. J'ai l'impression qu'on a fait qu'un quart du problème. J'ai l'impression qu'on a juste fait logo et stade alors que j'ai tellement. Il y a tellement d'autres choses. Moi, j'ai pas mal d'appels qui me disent aussi c'est excellent, il est très bon. Et on espère qu'il. S'il pouvait bosser au Girondin, moi, ça me plairait énormément, je te le dis. Trop intègre. Ouais, voilà. Il nous en faut des gens comme ça qui, en tout cas, ont une pensée différente de ce qui est fait actuellement. Déjà un tech dans le foot, c'est compliqué. Et il y a Johan qui attend Ludo et Fernand au château. Hein. Je les appellerai demain, je mettrai en relation. En tout cas, merci au château Enclos Mazères à Pomerol de nous soutenir et d'être partenaire. Alors, messieurs, on enchaîne. Il y a des questions que je n'ai pas posées. La question de Patrick Gomez, je n'ai pas pu la poser. Il y avait tellement d'autres questions. Allez, on se replonge dans quelque chose de moins fun, j'ai envie de dire. Allez, on a 10 minutes pour faire ces deux thèmes. Non, on bâcle pas, on fait vite et bien. Large. C'est le même thème à peu près. Allez, les Girondins ont-ils assuré leur maintien, Joe? Ben non, comme je l'ai dit de façon dans mes enseignements, non, surtout quand je vois le calendrier de Nantes qui va nous affronter, qui va affronter Dijon derrière, et Lorient qui est revenu à un point, et voilà, donc tu sens que les 39 points vont pas suffire cette année, tu sens que le maintien sera pas à moins de 40 points malheureusement, ce qui paraît assez improbable au départ, mais je pense qu'il va falloir peut-être un peu plus des 40 points, peut-être pour effectivement obtenir un maintien, ou au moins 40 points. Donc voilà, surtout que on va affronter Nantes, Strasbourg et Lorient se rencontrent lors de la dernière journée. Ça peut être quand même une bonne chose quand même pour nous. J'ai regardé le calendrier de Strasbourg, Lorient, tout ça. J'ai vu un match très important Strasbourg-Lorient à la fin de la saison. Surtout que Strasbourg est sur une pente très descendante. Ils sont en danger aussi, donc c'est ce qui me rassure un petit peu. Ils sont passés derrière nous, donc ça fait un bouclier qui est assez intéressant comparé à Lorient et Nantes. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est la différence de but. On est à moins 15. On a pris cher durant les 4-5 derniers matchs, juste avant la victoire contre Rennes. Par exemple, Strasbourg est à moins 10, Lorient à moins 16 et Nantes à moins 14. Donc Nantes a une meilleure différence de but que nous. Donc ça aussi, c'est un point à pas négliger à ce niveau-là, malheureusement. Et donc voilà, le prochain match, ça va être une finale. Pour nous, ça peut être la dernière finale. On perd pas, c'est sensiblement bon. Concrètement, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est cette difficulté qu'on a nous à enchaîner les bonnes prestations. Deux bonnes prestations d'affilée, c'est très rare. Vu l'intensité qu'on a mis, avec en plus pas mal de jeunes, Mara, Lacou, est-ce qu'ils vont pouvoir répéter les matchs, Meschier, Benito, tout ça, Quateng, il y a beaucoup d'énigmes dans tout ça. Donc le match contre Nantes, moi, me fait très peur. Voilà. On en parlera juste après. Gino, est-ce qu'on a non, c'est un vrai duel.
Il a raison, Joe. Je pense que le vrai duel, il est avec Nantes, qui aura un calendrier plus facile après nous, hein, s'ils nous battent. Ils vont à Dijon, ils vont recevoir un Montpellier complètement démobilisé, je pense, avec Derzakarian qui s'en va. Donc ça, c'est le vrai duel. Mais il y a aussi l'option qui pourrait en être une. Pour moi, Nîmes, c'est fini pour eux. Oui. Donc ils vont recevoir Lyon et ils vont à Rennes. Donc pour moi, c'est fini. La seule chose qui peut nous arriver de mal, c'est le barrage. Donc, et il y a Nantes en candidat en duel face à nous. Et il y a aussi pour moi Lorient qui pourrait avoir la pression. C'est-à-dire Lorient, ils sont à un point derrière nous. Ils vont à Lyon. Ça va être un match très difficile. Moi, je ne vois pas Lorient gagner là-bas. Et comme l'a très bien dit Joe, le dernier match de la saison, ça sera Strasbourg-Lorient. Donc, ça pourrait peut-être offrir une fenêtre qui fasse que tu peux jouer entre ces trois équipes pour moi et on pourrait s'en sortir. Monsieur Samuel, est-ce qu'on a assuré le maintien? Ouais, non, non, bien sûr que non, parce que c'est vrai que la journée était frustrante hier, parce que moi, en fait, pour parler un petit peu de ma vie, ce week-end, je travaillais d'habitude, je suis en matinale, je travaillais pas hier matin, donc samedi, je me suis couché un peu plus tard que d'habitude, et donc hier, je me suis mis le réveil pour le match, mais comme j'étais pas bien réveillé au moment du match, je pensais qu'on était au moment du multi-ligue 1. Et donc, durant toute la partie, j'ai mis une alerte, en fait, depuis trois matchs sur les résultats de Nîmes. Non, mais sur les résultats de Nîmes et Nantes, j'ai mis une alerte depuis trois matchs en me disant, ben, comme je regarde le match de Bordeaux, je ne regarde pas le multiplex, que je sache quand il marque, comme ça, je vais au moins basculer pour voir le but, etc. Et là, tout le match, je ne vois pas de notif. Ah, putain, yes, c'est bon, on a gagné. Les autres, l'ascenseur émotif, quoi. Allez, c'est tranquille. Et puis là, en fait, quand je finis le match, je me rends compte qu'il est 14h45, quoi. Et donc là, je comprends que j'étais un peu con, optimiste, ou les deux. Mais donc, mine de rien, le sentiment de soulagement à la fin de la rencontre, il est énormément diminué par le fait que hier, on a pris d'avance sur personne. Par contre, contrairement aux autres semaines, on n'a pas perdu de points. Donc, bien heureusement sûr qu'on a gagné même. Sur Nîmes. Ah ouais, putain. Sur Nîmes. Oui, non, mais sur la 19e place, effectivement. Ouais. Donc, heureusement qu'on a réussi à gagner ce match parce qu'il nous permet de ne pas perdre de points sur la place de barragiste, qui était le cas depuis 13 matchs, quasiment au moins un point par semaine. Et surtout, il nous permet d'avoir une dynamique qui a changé. Donc, le maintien, il n'est pas assuré, mais il est en bien meilleure voie que les semaines précédentes où ce qu'on disait au début de l'émission. Ce qui m'inquiétait, moi, c'était il y a quelques semaines qu'on ne prendrait plus de points. Et donc, notre maintien passait par les autres. Là, le maintien, il passe par Bordeaux. Et surtout, tu as deux boucliers en plus qui sont Strasbourg et Lorient parce que, comme ça a été très bien expliqué, de un, ils ont un point de moins que nous. De deux, ils s'affrontent à la dernière journée. Et Lorient joue Lyon ce week-end. Et Strasbourg, ils ont un calendrier pas compliqué, mais très con. Ils vont contre Montpellier le week-end prochain. Voilà, Montpellier. Ils ont un calendrier très con parce que ils vont jouer Montpellier qui préparera une demi-finale de Coupe de France, donc qui va à la fois faire tourner, mais qui doit quand même à la fois faire des tests parce qu'ils ont beaucoup de blessés, donc qui va quand même être compétitif. L'avant-dernière journée, je crois qu'ils jouent Strasbourg, ils jouent, je sais plus, mais ils jouent un match aussi un peu con, genre Metz, je crois, un truc comme ça, donc un derby. Donc voilà, par rapport à la semaine dernière, on a un bouclier en plus et ça en fait deux. C'est déjà bien. Conan, une réaction par rapport à cette question sur le chat? À part ceux qui rigolent sur l'anecdote. Non, en plus, je me suis couché tard parce que j'ai profité de ma soirée, mais j'ai rien fait d'un, pas dans la légalité, de deux. C'était le premier samedi du mois, les gars, n'oubliez pas. C'était pas bon. En fait, c'est ça, j'avais un tournage. C'était le premier Ça existe encore, cette tradition sur Canal? Bien sûr. Je pense, oui. Je sais pas. Canal, c'est le foot, le cinéma, le porno, ça changera jamais. Bon, mais écoute. C'est pas ça les trois choses qui font tourner le monde. Les valeurs de Canal. Le cinéma, le porno. Les trois piliers, vous rigolez, mais c'est les trois piliers de Canal. Voilà. Samuel est bien passé pour en parler, il travaille dedans. En même temps, enfin, dedans. Oh, dedans, oui. À l'intérieur. Moi, je travaille dans le sport. Tout ce qui est cinématographique, je n'y touche pas. Ouais, après, il n'y a pas de soucis. Bon. Regarde, Conan, il rigole, mais à mon avis, son samedi soir, il a dû être chargé à lui, du côté de Toulon. Ah bah non, dis-toi bien que c'est pareil, hein. Il était calme, je pousse pas trop mes soirées, tu sais, je me fais vieux avec le temps.
Donc, je me prépare pour les matchs. Non, mais après, pour en revenir avec les chatters, dans tous les cas, depuis le début de l'émission, ils sont tous du même avis, même si j'avais noté de chez Valero Thomas qui disait un point et on est sauvé, ou 39 points, on est sauvé, comme dit notre cher ami Riolo. Mais bon, ils sont tous d'accord, il nous faut une victoire. Certains disent un match nul contre Nantes pourrait nous suffire, mais il nous faut cette victoire dans tous les cas. Ils savent tous que là, on n'est pas du tout assuré du maintien. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'on sera, au pire barragiste, et sincèrement, avec les changements de Gasset, en faisant jouer d'autres joueurs que ceux qui n'ont pas performé pendant 13 matchs, Gasset a un peu plus de chance en tant que barragiste de s'en sortir. La semaine dernière, encore une fois. Allez. Certains, pour rajouter à ça Gasset, certains ont un peu peur que Gasset ne renouvelle pas la même chose que ce dimanche en effectif, parce qu'il a dit que c'était un coup de poker, et ils ont peur que le fait qu'il reste sur le fait, c'est un coup de poker et je remets à nouveau les anciens. Justement, quelle équipe face au FC Nantes, les gars? Est-ce qu'on remet les mêmes? Tout sauf ce que Gasset veut faire là. On reste sur les mêmes, Nico. C'est tout. La question série. Donc, vous pensez qu'il va pas mettre Jean-Michel Seri titulaire? J'espère. Moi, j'espère vraiment aussi. Que Seri. Après, s'il est à la place de Zerkan, qui pour moi a pas fait un très bon match. Après, oui, mais Zerkan joue un cran plus haut samedi. Mais dans un milieu à 3 avec la coup derrière, je peux accepter Seri parce que je peux accepter de voir ce qu'il fait sur une mi-temps. Mais moi, j'espère que ce qu'a dit Colin, ça va pas être le cas. Pour moi, j'ai presque envie de dire il faut quasiment rien changer à la compo de départ sur le match de Nantes. Gino, ton analyse sur ce match de Nantes, qu'est-ce que tu aimerais voir? Non, ça va être un vrai combat, hein. Je pense qu'on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, mais ouais, les mêmes joueurs, ça me paraît vraiment évident de garder la même composition, ou en tout cas une base avec des joueurs qui se sont donnés à fond et de continuer sur la même dynamique. Ok, Joe? J'ai envie de te dire, comme je t'ai dit, Bordeaux, la problématique, c'est de savoir répéter les bonnes performances. On ne sait pas faire ça. On l'a vu juste en janvier quand on a gagné 3 matchs, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné 2 matchs d'affilée. Alors, une deuxième victoire d'affilée, ça me paraît quand même très compromis malgré tout, peu importe ce que va nous faire, malheureusement, Gasset. Recontre la même équipe, oui, ça peut être une bonne idée. Maintenant, je pense que la défense, on n'aura pas la même chance qu'on a eu contre Rennes. Tu vois ce que je veux dire? Et Rennes a joué à 10 aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, et on a vu une équipe qui était coupée en deux, on a vu une équipe qui, Doku, qui nous faisait beaucoup de mal à droite. Il aurait fallu une prise à deux, Zerkan ne faisait pas suffisamment l'effort parfois pour aider effectivement Kouateng, etc. Les milieux étaient un peu loin par moment aussi. Donc il va falloir renforcer ce milieu. Si tu gardes cette défense-là, il faut renforcer ton milieu. Et Zerkan, pour moi, n'a pas fait le travail à ce niveau-là. Donc voilà. Mais, Au moins, on peut sortir Wang ou Kalou et rajouter un milieu de terrain, ouais. Kalou a été très transparent, effectivement. Après, donc peut-être faire un milieu à trois vraiment avec Zerkan, vraiment avec une défense, avec un milieu à trois vraiment qui protège, avec une vraie sentinelle qui est Lacou, mettre un peu plus haut Adli et puis Zerkan, et puis après avoir Mara sur un côté, Traoré et puis Wang enfin, c'est bon dans l'axe, Kalou, tu vois. C'est même si c'est comme Otavio en fait, c'est des joueurs qui sont pas indiscutables quand ils sont là, enfin pas toujours en tout cas. Mais malheureusement quand ils sont sur le terrain, ça se ressent. Il peut se passer un truc avec ce joueur-là. Kalou, c'est regardez hier pendant le match pour voir si la stat était intéressante. Quand il est là, c'est qu'un tiers des buts marqués par Bordeaux, et sur ce un tiers là, il est sur 75% des buts. Donc moi je le laisse quoi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, après non mais peut-être changer peut-être juste le système, peut-être les mêmes mots, mais peut-être revoir un peu le système, notamment au milieu, pour éviter de prendre trop de vagues comme on a pu. Il y a un truc que personne n'a dit, que ce soit dans les enseignements ou là, mais les latéraux, faut plus bouger jusqu'à la fin de l'année. Hein. Kouateng, je suis pas fan, mais c'est solide. Bon. Il a fait son match. Ouais, il a fait son match. Sur 3, et surtout à gauche. Face à Doku, il a subi. Après, Doku, c'était compliqué. Ça va aller à gauche, moi je sais que c'est un gros débat parmi les supporters de Bordeaux. Moi, je le redis, on a vu la Coupe du Monde 2018, un des meilleurs Sénégalais à ce poste. Cannes 2019, meilleur joueur à ce poste, alors qu'il y avait un Ben Sebaïni qui régalait avec l'Algérie. Donc pour moi, Sabali, en fait, il n'y a même plus de… Depuis ses blessures au genou, il n'y a même plus en fait de débat. Sabali, c'est un latéral gauche, c'est plus un latéral droit. Voilà, je vous affiche le calendrier. Faut prendre… C'était pas à l'abri, faut pas perdre. Après, il y a un truc qui est rassurant avec Nantes. J'ai regardé un petit peu les résultats de Nantes.
Nantes, c'est seulement 2 victoires à domicile cette saison. Ça fait la dernière victoire date du 18 octobre contre Brest. Cette année, ils n'ont pas gagné encore un match à domicile. Après, nous, on sait très bien qu'on est les lanceurs de série, malheureusement. Donc voilà, mais après, il y a aussi... Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri qui lance la série, tout à fait. Et ils sont sur 2 victoires et 2 belles victoires, quoi. On peut lancer loin, très loin. Il y a encore un truc, effectivement, c'est que cette année, ils ont perdu contre aucun de leurs concurrents directs pour la descente. Il y a eu des matchs contre Nîmes, Saint-Etienne, Lorient, et les 2 victoires contre Strasbourg et Brest, là, sur les 2 dernières journées. Allez, voilà. Gino, ton un mot, peut-être, pour conclure cette émission. J'ai envie de te donner la parole. Je sens que tu as envie de parler. Non, mais on espère que ça va bien se passer. Ça va être la grosse bataille, ce match de Nantes. Mais vu ce qu'a été la journée de dimanche, je pense que il faut qu'on s'en serve pour qu'on soit sur une bonne dynamique et qu'on puisse faire un résultat à Nantes qui les condamnera quasiment à jouer le maintien face à Nîmes et nous, on sera sauvés. Donc, moi, je suis assez confiant, en tout cas, pour qu'on fasse un match qui, au moins, soit de bonne qualité et pourquoi pas faire un résultat à Nantes. Non, mais pour Nantes, de qualité, Gino. Ouais, non, mais c'est pour non, ça. Mais dans l'état d'esprit, je vois ce que tu veux dire. Non, mais comprends ce que je veux dire. Après, Il y a une semaine, on disait que c'était la finale. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement la finale, dans le sens où si on prend un point à Nantes et que Lorient perd contre Lyon, on a 5 points d'avance sur le 18e, alors qu'il reste 6 points à prendre. Sincèrement, ça sent très bon. On sera pas mal. Ce qui est à prendre en compte, c'est qu'on ne va pas avoir les mêmes joueurs. Les joueurs de Rennes, c'était quand même un sacré morceau, sacré niveau. Les joueurs de Nantes, je dis pas, j'ai vu leur match, j'ai regardé leur match. Ils sont en confiance, mais c'est pas la même catégorie de joueurs, justement. Il ne faut pas qu'ils arrivent trop en confiance, Nantes aussi. Simon, c'est un peu comme Doku, hein, moins bon, mais très rapide, il va faire mal. Ludo Blas, il va faire du mal entre nos lignes. Je me rappelle, j'avais 2-3 amis que je salue Nantais dans les rédactions où je leur disais, les gars, Khalifa Koulibaly, il y a du chèque diabaté chez cet homme-là et c'est pour ça que je l'aime. Et j'ai peur qu'ils nous mettent une clim. Enfin voilà, ils ont des joueurs intéressants quand même, les Nantais. Hein. Attention. Allez, messieurs, on a tout dit, on a débordé 20 minutes. C'est rare qu'on respecte pas les horaires, mais bon, on avait un invité. Et une victoire. Très intéressant. Et une victoire. On n'a pas pu rentrer dans le détail de tout, mais bon, vous pouvez vous réécouter le débrief à chaud si vous voulez qu'on rentre dans le détail. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail du débrief. Sinon, prochaine émission, c'est jeudi, FAQ, 19h, 19h30. Et samedi, attention, le match, il est à 11h samedi. 13h, pardon. C'est pas une Samuel. Hein. De plus en plus tôt. Pardon. À 13h samedi et le débrief à 15h. Ne l'oubliez pas, moi je vais mettre une petite note pour pas l'oublier. Parce que moi ce week-end je suis en vacances, donc s'ils me mettent un match à 11h, je vais gueuler là. Et donc Samuel, tu seras en vacances la semaine prochaine, tu ne seras pas avec nous. Je fêterai le maintien sur le chat avec tous les socios, on sera très heureux. Magnifique, magnifique. Voilà. On vous annoncera qui le remplacera. Voilà, on va chercher son remplaçant pour cette émission. Conan, merci. Merci Gino, merci Joe, merci Sam. Aussi. Merci à tous, merci. À tous merci de nous avoir suivis. Si vous voulez devenir socio, je vous mets le lien sur le chat. Vous l'avez, les livres de Thibault Leplat, mais si vous souhaitez aller les lire, moi j'en ai pas lu un, mais je vous avoue que ça m'a donné très envie. D'aller mettre mon nez dedans. Et puis, franchement, ça se lit très vite et c'est captivant. Ouais, il était très très bon. Le Barça Real, je vous le confie, je veux vraiment aller le lire, ce livre, il est magnifique. Et bravo aux supporters hier pour tout ce qu'ils ont fait. Allez, salut à tous. Petit générique et beau maillot à Gino, maillot de Costil, magnifique. Ouais, merci à Emmanuel.